Allez-y, mes petits chats. Gardez vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes et tous. Je me présente, je suis Anne Boissy. Quel plaisir d'être avec vous ce soir pour célébrer ensemble cette soirée Quand la mer 2030. Notre territoire, on le construit ensemble et ce soir, on va vous donner beaucoup de raisons d'être très fiers d'être normand grâce à mes invités. Et déjà, quel accueil ! La fanfare Kids de l'école de musique en plaine à Bourguébu au sud de Caen, une école Caen la mer, un établissement Caen la mer, une fanfare dirigée par le professeur Marc Lebert. Il y avait même un professeur de tuba avec un de ses élèves du conservatoire de Caen. Je vous demande à nouveau de les applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci pour eux. Alors, par contre, moi, on m'avait annoncé un duo. On m'avait dit qu'il y a quelqu'un qui va venir, tu vois, quelqu'un qui fait des dessins, des petites caricatures, un certain Emmanuel Chaunu. Chaunu ? Chaunu ! Voilà, on va applaudir, ça va le faire venir. Ah bah voilà ! Bah alors ? On me dit c'est les vœux de 2030. Mais 2030, j'avais oui. J'avais de la marge, donc voilà, comment ça va? Ça va bien. Dites-moi, j'ai un petit problème. Dites-moi. Les gens savent que je suis caricaturiste? Bah, ils vont le découvrir, en tout cas. Que vous me dites de venir à la SMN, mais... Mais la SMN, tu as vu la tête du public? Mais vous êtes dans quelle époque? Non, mais écoutez, je m'attendais à avoir des métallos, tu vois, des gens avec des casques, des combinaisons. Non, mais c'est que du bobo. Non, mais c'était avant, ça. Des types qui roulent à vélo sur des trottinettes et tout. Mais oui. Ouais, la trottinette, c'est pratique en ce moment, parce que... La bon, quoi, voilà. La Savième? Hein? La Savienne, la trottinette. Ah oui, d'accord, pardon, excusez-moi. La trottinette. Oui, je vais me mettre peut-être au travail. Parce que ce soir, vous allez peut-être un petit peu travailler. Oui. Vous allez faire des petits dessins, vous allez commenter. Parce qu'on n'est pas que Drucker ici. Oui, hein. Attention, vous avez le droit à un joli petit bureau. Sandrine Rousseau nous a fait beaucoup de tort. J'ai complètement déconstruit, moi. Bon, elle est où, la patronne? Installez-vous, je vous en prie. Je vous surveille, attention. Oui. Alors, vous l'avez compris, je vais avoir le grand plaisir, aux côtés de Chaunu, d'être votre maîtresse de cérémonie ce soir. Ouais. Je vais me présenter un petit peu. Habituellement, je présente un magazine qui s'appelle « Vous êtes formidable » sur France 3 Normandie. Alors, « Vous êtes formidable », c'est de 10h à 10h40. Venez rencontrer vos Normands aussi inspirés qu'inspirants. Voilà. Donc, vous apprécierez d'ailleurs le placement de produits à la fois élégant et discret. Voilà, bon, il y avait que ça pour les fiches. Alors, juste d'ailleurs à ce sujet, j'ai une petite anecdote rigolote à vous annoncer. En fait, ce matin, j'ai eu l'une de mes invitées, parce que j'ai toujours mes invités au téléphone avant qu'ils viennent dans l'émission, et elle me dit, à la fin, elle me dit oh, « Je vous adore, mais surtout, ma mère vous adore ». Alors bon, moi, j'aurais préféré qu'elle me dise oh, « En tout cas, je vous adore, mais surtout, mon frère de 35 ans, célibataire, mannequin professionnel, vous adore. » Voilà, ça aurait été un petit peu mieux, mais bon, c'est pas grave. Et pour finir cette petite introduction, j'aime bien dire que je suis franco-normande, née de père normand et de mère normande. Mon papa est de Cherbourg et ma maman de Caen. Ils se sont rencontrés à Bayeux, la boucle était bouclée. J'ai donc 50% de sang cannais, voilà, quand même. 50% de légitimité totale, mais lui, pour le coup, sa légitimité n'est plus à prouver. Il a été élu en 2020 pour un deuxième mandat à la mairie de Caen. Il est le président de la communauté urbaine Caen-la-Mer. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir très chaleureusement monsieur le maire-président Joël Bruno. Bonsoir. Effectivement, vous êtes formidable. Et les jeunes qui nous ont offert cette aubade pour commencer la soirée le sont aussi. Donc, effectivement, voilà. Quand la mer a de l'avenir. Ah, je vais faire un speech. Vous voulez... Non, je pensais que vous alliez relancer. Ah, j'avais pas de question pour vous. Ah bon, ah, non. D'accord. Bon. Ah, non. Donc voilà, bah, écoutez, mesdames et messieurs, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Et merci de nous avoir rejoints si nombreux. Vous étiez déjà nombreux à participer, en particulier au travers de ce questionnaire qui avait été rempli par plus de 7000 habitants de notre territoire, à l'élaboration de ce projet qui a mobilisé beaucoup d'entre vous, qui a mobilisé beaucoup des acteurs, enfin tous les acteurs d'ailleurs, de toutes les forces vives comme on dit, et ce projet de territoire, effectivement c'était quelque chose d'un peu inédit puisque de fait, même si... Je ne prétends pas que nous soyons les premiers à réfléchir à l'avenir, bien sûr, mais c'est sans doute la première fois qu'on avait fait un exercice aussi approfondi pour ensemble essayer de nous projeter dans ce que pouvait être notre territoire en 2030 et même au-delà, et ce que nous souhaitions surtout que ce territoire soit demain.
Alors, cela dit, vous avez vu qu'on a tout a commencé de manière assez enlevée, et donc on ne va pas passer à une phase très conventionnelle et institutionnelle. Pour ça, pour celles et ceux qui éventuellement le regretteraient, d'ores et déjà, je les invite le moment venu à se référer à ce qui sera publié sur le site, ou voir ou éventuellement se procurer le gros pavé que nous avons élaboré les uns les autres pour ce projet de territoire. Mais cette soirée, en fait, vise surtout à illustrer au travers de cas concrets, de témoins d'ici ou d'ailleurs, finalement les atouts de notre territoire et ce qui nous permet finalement d'être à la fois fiers de ce territoire et surtout, malgré le contexte, effectivement relativement, vous connaissez mon côté modéré, relativement optimiste pour l'avenir. Alors je dis toujours d'ailleurs que l'optimisme, c'est surtout la vertu des réalistes qui bossent. Et donc comme on est plutôt quand même sur un territoire de bosseurs, je crois qu'on peut effectivement être optimiste. Donc le but de notre projet de territoire, en fait, c'est évidemment analyser les forces et les faiblesses du territoire, toute la concertation qui a été menée pour essayer de... Je me méfie un peu de ce qu'il est en train c'est de C'est pas préparer. Mal. Hein. Non, c'est... Cela dit, je suis sûre que vous portez très bien le col roulé. Jamais. Jamais. J'ai la chance de ne pas être trop frileux, finalement. De travailler aussi sur ce que nos concitoyens, enfin ce que vous les uns et les autres attendez pour demain sur ce territoire, d'anticiper et de mieux appréhender aussi les grandes évolutions attendues, et puis bien sûr essayer de porter ensemble une vision partagée de cet avenir. Alors, et on sait très bien que pour tout ça, il va falloir s'adapter de plus en plus rapidement et accélérer toutes les transitions, notamment écologiques, mais pas seulement, auxquelles nous sommes confrontés. Et par rapport à tous ces défis, rappeler que nous sommes un territoire un peu particulier qui, à cause peut-être d'un sentiment un peu exacerbé d'humilité, n'ose pas finalement revendiquer toutes les qualités qui sont les siennes. Voilà, ce fait d'être un territoire diversifié entre terre et mer, avec un très haut niveau de qualité de vie, un cadre de vie assez exceptionnel, un territoire sur lequel la créativité et l'innovation ne sont pas simplement des slogans, mais aussi bien évidemment des réalités. Donc en gros, un territoire qui bénéficie évidemment d'une histoire très riche, aussi riche que celle de vos parents qui se sont rencontrés à Bayeux entre 37 ans que ça dure entre Cherbourg et voilà et donc une histoire riche mais aussi beaucoup de qualité pour l'avenir et tout ça confronté effectivement à ces grands défis qui sont ceux de notre territoire bien sûr mais qui sont plus globalement ceux de notre société d'aujourd'hui grands défis que on va pouvoir l'accueillir bientôt, sur lequel Jean Viard, sociologue éminent, va illustrer au travers de sans doute quelques exemples dont il a le secret, effectivement, ces grands défis qui sont les nôtres. Donc voilà, cette soirée, elle est destinée, encore une fois, à mettre un focus sur ce qui est nos grandes, c'est qu'à moitié sympa. J'avais peur que ce soit moi, mais en fait, ça va, j'ai pas de lunettes. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que non seulement on a beaucoup de respect, mais beaucoup de on travaille très régulièrement avec les territoires voisins parce que quand la mer n'est évidemment pas un isolat, au milieu de d'un réseau de villes moyennes qui est extrêmement précieux pour nous tous, pour le territoire normand tout entier, mais pour quand la mer également. Donc voilà, nous allons accueillir Jean Viard, je disais, pour justement un certain nombre d'analyses qui, vous le verrez, finalement, au travers d'un certain nombre d'aspirations de nos concitoyens et en particulier des jeunes générations, je pense, nous donne encore plus d'atouts que ceux que nous avons le plus souvent en tête. Donc très bonne soirée à toutes et à tous. Et puis, vive quand la mer. Merci beaucoup, monsieur le maire. Vous pouvez redescendre. En effet, ce soir, nous allons mettre en avant notre territoire. Mais avant de rentrer dans le détail, il est intéressant de poser un cadre, de s'intéresser au contexte global. Quels sont les grands défis de demain? Monsieur Bruno vient de le dire. Pour répondre à ce vaste débat, un invité exceptionnel ce soir avec nous. Nous sommes très heureux de compter parmi nous ce sociologue, écrivain, auteur à succès. Merci d'applaudir, monsieur Jean Viard. Cher ami,
Merci. Bah, j'ai une mauvaise nouvelle, hein. J'ai pas 35 ans, je suis pas célibataire. Enfin, ouais, mais bon, vous êtes déjà, vous êtes ancien mannequin professionnel peut-être. Bah, voilà. N'hésitez pas à laisser votre candidature à la sortie, on sait jamais, voilà. Bon, alors. On va s'intéresser aux grands défis auxquels nous allons devoir faire face, Monsieur Viard. Difficile de parler aujourd'hui d'avenir sans parler de défis climatiques, de changement. Le changement climatique s'impose à nous. On parle à ce jour d'adaptation et non plus de solution. Alors selon vous, notre société est-elle réellement capable de s'adapter à ce changement? Avant la pandémie, j'aurais dit je ne crois pas. Aujourd'hui, je pense que c'est possible. Pourquoi? Parce que 5 milliards d'hommes se sont lancés dans le même combat contre le virus. On a sauvé sans doute 300 millions de vies, 20 millions avec le vaccin, 300 millions en s'enfermant chez nous, mettant des masques dans toute la planète. Il y a eu des dizaines de millions de victimes. Mais au fond, c'est une tragédie qui nous a montré que quand on se mettait tous ensemble, on gagnait. Et quand on remettait la science au centre des sociétés. Donc je pense que cette pandémie, elle change complètement les enjeux. Parce qu'au fond, on est tous un peu comme si on avait eu un cancer. Et puis un jour, on vous dit, vous êtes guéri. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais de la vie qui me reste? Et c'est la question que se posent beaucoup de gens. Regardez, en France, il y a 1 million de couples qui ont explosé, 3 millions de gens qui ont quitté leur boulot, 2 ou 3 millions qui ont déménagé. Aux États-Unis, 48 millions de gens ont quitté leur boulot. En Chine, 10% des couples ont explosé. Donc, vous voyez, ça bouge de partout. Et au fond, ce que je dirais, c'est que demain, c'est la nature qui va faire l'histoire. Et c'est déjà ça. Jusqu'à maintenant, l'homme a l'impression qu'il faisait l'histoire. Il faisait des projets, des programmes. On s'engueulait, socialiste, droite, etc. Catholique, musulman, protestant, etc. Mais là, c'est plus nous qui faisons l'histoire. C'est la nature, c'est le réchauffement climatique, c'est les incendies, etc. Voilà, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Vous êtes très bien. Alors, il a tort parce que je suis allé au coiffeur avant de venir. Hein. Mais bon, après... Il n'y a pas pénurie de coiffeur. Moi, je suis un vieux de 68, donc pour un type 68, ils sont courts. Hein. Mais évidemment, les nouvelles générations, maintenant, sont à moitié crâne rasé. Donc, voilà. Mais nous, à l'époque, ça avait un sens politique. Monsieur Viard, je reviens sur le sujet. Parce que pensez-vous que la prise de conscience soit réelle? Mais profondément. Profondément. Profondément, parce qu'on a peur aussi. Et parce que si vous voulez, regardez, vous croyez qu'on aurait fait des voitures électriques s'il n'y avait pas eu la pandémie? Vous croyez qu'on aurait mis une taxe de 15% sur les plus-values mondiales, etc.? Vous croyez qu'on aurait remis le nucléaire au camp des sociétés? Non. Donc si vous voulez, tout le monde ne sera pas d'accord avec le nucléaire, mais ce que je veux dire, si vous voulez, c'est qu'on prend des solutions et on avance, alors qu'avant, on n'aurait pas pu le faire. Et je crois que ça a changé dans la vie des gens. Avant, oui, on triait nos déchets, on essayait de balader nos diesels quand on avait les moyens, mais après, on voyait fondre la banquise, quoi. Vous dites, entre mon tri de déchets et la banquise, et c'est loin. Et je pense que maintenant, d'ailleurs, dans l'opinion publique, c'est très net. Dans le monde entier, le réchauffement climatique est la deuxième priorité, après la fin de mois, le salaire, l'inflation. Avant, c'est le deuxième, c'était l'immigration, c'était l'insécurité, c'était des choses comme ça. Donc je crois que ça a profondément changé, mais parce que la grande pandémie est un lanceur d'alerte mondial. Vous savez, qu'est-ce qu'on dira de notre époque dans 200 ans? Peut-être qu'on ne parlera que de la grande pandémie. Vous vous rendez compte, 5 milliards d'hommes qui font la même chose. Si ça s'était passé il y a 300 ans, mais vous le sauriez. Donc, si vous voulez, c'est un tellement événement qu'on n'a pas encore bien compris. Voilà. Mais on est en train d'y réfléchir. Moi, je pense qu'on peut gagner cette bataille. Et quand vous regardez les jeunes, le gros problème, c'est est-ce que les jeunes ne vont pas avoir trop peur? Vous savez, 30% des jeunes filles de moins de 25 ans déclarent qu'elles n'auront jamais d'enfants. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais on avait la même chose en Iran, où les femmes de 40 ans n'ont pas d'enfants. C'était leur façon de s'opposer au régime politique. Je ne fais pas d'enfants pour les mollahs. Il y a des merveilleuses actrices qui n'ont toutes pas d'enfants. Pour la même raison. Donc, à un moment, les femmes ont des pouvoirs sur les sociétés. Et en ce moment, les jeunes femmes sont dans une position de refus. Donc, il se peut que ça se bloque. Je vais être un tout petit peu moins optimiste que vous. Parce que manifestement, je ne suis pas sûre qu'on apprend vraiment de nos erreurs. Tout le monde fistuge en ce moment. Voilà, la Coupe du Monde au Qatar, hein, qui a été validée il y a bien des années. Et au même moment, nous annonce l'organisation de Jeux d'hiver en Arabie Saoudite. Pourquoi cet entêtement à aller à notre perte? Est-ce que l'homme est-il si destructeur que ça? Vous savez, le problème qu'on a, c'est le temps. On est sur des temps différents. D'ailleurs, si les gens sont 79% des Français veulent un chef autoritaire, parce qu'on se dit que c'est la seule façon d'aller assez vite. Et en même temps, ils demandent plus de participation. En gros, ce qu'ils veulent, un chef autoritaire qui soit exactement de leur avis. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais non, mais ça dit quelque chose, si vous voulez. Alors, bien sûr, on fait cette coupe du ce ski. En même temps, le Qatar, d'abord, c'est certainement une magouille par derrière qui a servi à financer des rafales, disons les choses comme elles sont. Mais en même temps, c'est la première fois qu'un pays arabe fait une coupe du monde de foot. Je veux dire, l'Occident ne peut pas, la haine qu'on a
dans plein de pays anciens colonisés, oui, il faut lâcher sur le foot, oui, il faut lâcher sur le ski. J'aurais préféré qu'on fasse ça sur Kilimandjaro. Je veux dire, quand ça allait, autant faire ça sur une montagne. Mais l'Occident ne peut plus avoir le monopole des grandes fêtes mondiales. C'est ça aussi. Le Qatar, c'était ça la vraie raison. Après, c'est monstrueux. Derrière, c'est devenu un désastre humain écologique. Oui, mais si vous voulez, bien entendu. Mais ne prenons pas un cas qui a été magouillé, effectivement. Ah, mais l'idée de faire une Coupe du Monde dans le monde arabe était une bonne idée. Quand on voit, nous, la difficulté qu'on a avec les descendants d'immigrés, on a un énorme travail symbolique, y compris pour qu'ils soient fiers d'eux. Donc l'idée était bonne. La façon dont ça a été fait est une catastrophe. Mais ce n'est qu'un tout petit épiphénomène sur une grande histoire. À ce jour, les gens, dans leur quotidien, on le voit en ce moment, avec la pénurie d'essence, leur priorité, c'est gagner un salaire, pouvoir mettre de l'essence dans leur voiture, nourrir leurs gamins, payer leur loyer. Je vais vous poser une question volontairement un tout petit peu pour la gratter. Est-ce que l'écologie, c'est pas un truc de riche, en fait ? Non. Je pense que, vous savez, le fait que l'humanité risque de disparaître, ça concerne absolument tout le monde. Donc, je crois pas que ça soit vrai. Après, évidemment, quand vous regardez les gens qui vont travailler en vélo, les cadres, 5%, les ouvriers, 2%, que des gens qui sont à moins de 5 km de leur boulot. Pourquoi ? Parce que les cadres, leurs parents avaient des voitures, donc aller en vélo, c'est chic. Les ouvriers, ils allaient en bagnole, ils allaient en vélo quand ils étaient petits. Donc, ils n'avaient pas de voiture. Donc, la voiture, c'est une promotion. Essayez de vendre des vélos chinois, vous n'êtes pas sortis de l'auberge. Donc, si vous voulez, la culture, c'est dur, ça met du temps. Donc, j'entends qu'on peut critiquer. En ce moment, on cherche tous de l'essence. Mais on est plus perdu si on n'a plus Internet. Je ne dis rien ici où il me semble qu'il y a pas mal de problèmes avec Internet. Mais si on coupe Internet, les nouveaux combats sont là. Pas de voiture, on peut s'en passer. Pas d'Internet, on ne peut pas. Donc, justement. Internet. On va parler également de la révolution numérique, monsieur Viard. J'ai plusieurs questions. Comment faire face à la digitalisation de notre quotidien et surtout aux inégalités qu'elle engendre ? Notamment, je pense à un public plus âgé, moins équipé. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un ordinateur. L'illettrisme numérique a un nom, l'électronisme. Comment y faire face ? Mais bon, l'illettrisme, il y a 7% des gens qui savent à peine lire en réalité. Hein. Moi, j'ai pas fait l'armée, mais je me rappelle encore avoir vu des gens qui signaient avec des croix lors de la sélection militaire, alors qu'ils m'avaient battu aux cartes. Donc, c'est pas qu'ils étaient idiots. Non, mais je veux dire, c'est pas forcément, c'est un signe d'inculture. Donc, ils m'avaient battu à la coinchée. Donc, si vous voulez, c'est pour dire. Mais après, c'est pas aussi simple que ça. Dans la grande pandémie, qu'est-ce qui a fait qu'on s'en est sorti ? C'est le numérique. Qu'est-ce qui a fait qu'on était informé de ce que sont les autres ? On discutait des Coréens, des Italiens, des Allemands. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas ? Donc, rendez-vous, il y a un siècle, quand il y a eu la précédente pandémie, ils ne savaient même pas que c'était une pandémie. Ils mouraient sans savoir pourquoi. Nous, on a pu sauver 300 millions de vies parce qu'on savait ce que c'était. Eux, ils ont eu 100 millions de victimes. Nous, on va en avoir sans doute 20 ou 30 millions. Mais il faut se rendre compte de tout ça. Et surtout, le numérique est devenu le premier lien entre les hommes. Depuis la guerre, vous voulez voir quelqu'un, vous dépensez du pétrole, train, avion, mobylette, etc. Et avant, ce n'était pas le cas. La plupart des gens n'avaient pas de voiture. Et maintenant, vous voulez voir quelqu'un, vous téléphonez, vous faites un Skype, un Zoom. Peut-être après, on va se voir. Donc, il y a une inversion. Regardez les jeunes. Ils vivent dans le monde numérique. Est-ce qu'ils vont dans les théâtres ? Est-ce qu'ils vont au cinéma ? Très peu. Leur culture est numérique. Donc, tout le lien, leur lien avec le monde est numérique. Regardez le télétravail. 30% des gens sont en télétravail. C'est le numérique. Regardez la livraison. On se fait de plus en plus livrer. 21 millions de Français ont un compte chez Amazon. C'est le numérique. Donc le numérique bouleverse nos vies. On est en train de reconstruire une société beaucoup plus locale et livraison. Le couple, c'est local et livraison. C'est ça qui est en train de se passer. Et y compris dans les milieux modestes, et y compris, ce n'est pas forcément plus cher. Donc si vous voulez, après, bien sûr, il y a des gens qui sont à l'os, on va dire. Il y a des millions de Français. De toute façon, on ne peut pas leur dire d'économiser. Ils mangent déjà des pâtes et à partir du 15 du mois, ils ont du mal. Mais ce n'est qu'une partie de la société. Que celle-là, on la protège davantage, c'est la moindre des choses. Mais que tout le monde ne fasse pas comme s'il était en difficulté. Excusez-moi, on est un pays confortable. Je voudrais vous dire une chose, 80% des Français sont heureux. C'est ce qu'ils ont déclaré encore dans la dernière étude des Labs. Et contrairement à ce qu'on croit, le sentiment de bonheur a augmenté pendant la pandémie. Parce qu'on s'est senti protégé. Parce qu'on était avec les siens. Quoi ? Qu'est-ce qui vous a fait là ? Oula ! Non, mais on peut toujours trouver des contre-exemples, si vous voulez. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention au mouvement de fond. Mais après, ce qui est terrible, c'est que c'est une société du bonheur privé et du malheur public. On est terrorisé par l'avenir. On est terrorisé pour savoir si notre culture va se retrouver, si nos enfants ont la même civilisation que nous, etc. Et on a raison. Et le réchauffement climatique nous fait extrêmement peur. Mais les individus ne sont pas malheureux. La société est assez désespérée. C'est ce couple qu'il faut arriver à manipuler. Justement, vous évoquiez les gens qui ne vont plus au théâtre, qui d'abord se voient sur Internet avant de se voir dans la vraie vie. Alors, c'est vrai qu'on peut trouver l'amour, hein, quand même, sur Internet, ça peut être intéressant. Mythique est un gros pétrolier. Ouais, voilà. N'hésitez pas à aller consulter mon profil Tinder, Anne Big BG du 50. Voilà. Mais justement, comment garder... C'est faux, il n'existe plus. Comment garder du lien social, justement, à l'ère du numérique, que ce soit au bureau ou dans notre sphère privée ? Vous le dites, les gens se parlent par écran interposé à ce jour. C'est pour ça qu'on revient à une société du proche. Ce que veulent les gens, c'est travailler à côté de la vie.
ils habitent, c'est que les gens qui sortent du collège, ils connaissent les parents, que, etc. On voit bien, parce que regardez par exemple l'agriculture. Avant la pandémie, le bio montait. Après la pandémie, c'est le local qui monte et le bio recule. Les gens sont plus sensibles au fait que le producteur soit d'ici que le fait que ça soit bio. Les chiffres sont très frappants. Donc on est en train, il faut qu'on favorise cette société de la proximité, mais les télétravailleurs le réalisent. Les ouvriers, les paysans, la plupart du temps, habitent à côté de leur entreprise et ont une culture syndicale, démocratique, etc. Les malheureux, c'est ceux qu'on a vu travailler pendant toute la pandémie. Les infirmières, les caissières, les médecins, d'ailleurs aussi. Ces populations-là, qui sont, alors les médecins sont bien payés, mais les autres sont mal payés, ils habitent loin de leur lieu de résidence. Et c'est, en gros, c'est les gilets jaunes qui travaillent avec les jeunes de banlieue, avec les gens des banlieues. Deux populations qui, politiquement, sont antagonistes, mais qui, dans le boulot, les hôpitaux, tout ça, vous avez toujours ce mélange des populations. C'est eux auxquels il faut penser pour les rapprocher de leur lieu de travail. Il faut leur donner pouvoir dans les HLM. Il faut que tout le monde ait le sentiment qu'ils gagnent quelque chose dans cette société de proximité. Sinon, ça sera une société de conflit. On va aborder également avec vous, Monsieur Viard, la transition démographique. C'est un fait, notre population vieillit, le baby-boom touche à sa fin. Vous l'évoquiez, hein. C'était 30% des jeunes filles de 25 ans. Qu'est-ce qui vous a fait encore? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, merci, sympa. Je sais pas avec qui il parle, sûrement avec moi. Moi qui bosse, et c'est pas mal. Ouais, c'est bien, hein, c'est bien, c'est pas mal. Donc notre population vieillit, le baby-boom touche à sa fin, vous le disiez, on a peut-être de moins en moins envie de faire d'enfants. On fait moins de bébés. Quel est l'enjeu pour un territoire comme le nôtre de voir vieillir sa population? D'abord, on vit 700 000 heures aujourd'hui en France. Vous avez une chance de vivre à peu près 800 000 heures. C'est pour ça que 35 ans, c'est pas mal. On gagne 100 000 heures par génération. On a gagné 200 000 heures depuis la guerre. Nos parents, en 45, vivaient 500 000 heures. C'est la plus grande augmentation de l'espérance de vie de toute la planète et de toute l'histoire de l'homme. Et sur la planète, la vie est passée de 59 ans, il y a 30 ans, à 69 ans. Avec, donc il y a des inégalités. Les ouvriers vivent 7 ans de moins, les femmes vivent 7 ans de plus. On va quand même en discuter un jour. Et donc on est là, effectivement, sur des bouleversements. Vous n'avez pas vu fumer des clopes. Mais si vous voulez, non, ce que je veux dire, c'est que la vie s'est allongée, c'est une excellente nouvelle. Moi, je considère qu'une vie où les femmes font le nombre d'enfants qu'elles veulent et où la vie s'allonge est une société qui va bien. Parce que c'est les deux éléments centraux de ce qui constitue une société. Alors après, plus on fait des vieux, plus on fait des enfants, etc., ils vieillissent. Et donc, effectivement, comme la population a augmenté, on a de plus en plus de vieux. Les Chinois vont être 800 millions dans 30 ans. Ils sont 1,2 milliard. Ben évidemment, l'enfant unique, ils avaient oublié que du coup, il n'y aurait plus que des vieux. Et comme en plus, il n'y a pas de retraite, ça veut dire que chaque jeune a 4 vieux. Vous pensez que la population est amenée à diminuer? En Chine, elle s'effondre. Donc, si vous voulez, ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'ils ne sont pas très dangereux, je vous rassure tout de suite. Ils ne seront plus que 800 millions. Non, non, mais c'est important. Bon, qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Non, ça va, c'est pas sur vous, là. Bon, ça va. Non, mais j'échappe. Non, mais c'est important de dire ça. Alors, après, je pense que dans la pandémie, on a remis les vieux au centre. Parce que pourquoi on s'est arrêté? Pour sauver les vieux, les gros et les malades. Je veux dire. On a arrêté nos économies, on a arrêté de vivre, de draguer, de sortir pour sauver les vieux, les gros et les malades. Donc ça veut dire les plus improductifs. C'est l'acte le plus humaniste de l'histoire de l'humanité. Les pays, la Chine n'a pas vacciné les plus de 60 ans, mais ils en ont trop des vieux. Ils ont vacciné les actifs. Les pays populistes ne sont soignés personne. Le taux de mortalité par habitant, le pire de la planète, c'est la Hongrie. Parce qu'ils n'aiment pas les femmes, ils n'aiment pas la nature. Ils ne se sont pas intéressés. Donc nous avons fait quelque chose de fantastique de sauver nos vieux. Je vous rappelle que l'espérance de vie d'un vieux n'est pas des 3 ans et 2 mois. Donc ceux qu'on a sauvés en 2020, ils sont déjà morts d'autre chose. Ouais. Donc quelque part, c'était un c'est peu con, il nous coûte cher. Ouais. Et en plus, ils ne vivaient pas beaucoup longtemps. Donc on a fait quelque chose de... Non, mais il faut le dire. Parce que sinon, ça n'a pas de sens, le combat qu'on a mené. Après, effectivement, on a de plus en plus d'anciens. Mais disons une chose, c'est la classe démocratique. Qui s'occupe les 11 millions d'aidants familiaux des retraités, les 13 millions de bénévoles des retraités, les maraudeurs des retraités, les élus locaux à 2/3 des retraités, les administrateurs d'associations des retraités. Le retraité est la classe démocratique dans nos sociétés modernes. En gros, on est jeune, à 20 ans, 30 ans, on devient adulte, pour dire comme ça. On travaille jusque vers 65 ans. Là, on n'a fait que travailler et faire des enfants, c'est important. Et puis, on devient après, on rentre dans la classe démocratique. Donc, ne soyons pas négatifs là-dessus. Après, il faut qu'on revienne à un modèle familial qu'on a vu pendant la pandémie. On a cassé depuis la guerre l'idée que les familles devaient être un projet politique. On a supprimé, quand on est passé du HBM, le logement d'avant-guerre, l'habitation à bon marché au HLM, on a supprimé la chambre pour les grands-parents. Dans les campagnes, on a financé la décohabitation des couples parce que les jeunes femmes ne voulaient pas s'occuper de tous les vieux parents, ce que je comprends très bien. Donc, on ne s'en est plus occupé. Et il faut revenir à ça, parce que le meilleur lien social, c'est celui de la famille. C'est les solidarités familiales, et c'est celle qui coûte le moins cher.
Donc, si vous voulez, on a là un vrai projet, je pense, par envoyer dans les HLM, il faut donner priorité aux parents des habitants ou aux filles seules, parce que je rappelle qu'il y a 1 700 000 femmes célibataires avec 2 millions d'enfants qui sont le cœur de la pauvreté. Vous ne m'avez pas l'air au cœur de la pauvreté, si je peux me permettre un avis extérieur. On m'a prêté le costard. Non, mais je dis ça comme ça. Mais vous avez les cheveux propres. Non, mais ça veut dire ça. Il faut regarder tous ces phénomènes de génération. L'avenir des personnes âgées, ce n'est pas les EHPAD. Il y en a qui vont en EHPAD. Il y a 500 000 personnes en EHPAD qui sont obligées d'y être parce qu'ils sont vraiment très, très fatigués. Il y en a 200 000 qui pourraient ne pas y être s'ils avaient de la famille ou des soutiens. Mais il faut regarder tout ça. Il faut qu'on reconstruise. L'Italie n'a pas de maison de retraite. Il y a des sociétés où il n'y a pas de maison. Les immigrés en France, ils n'ont pas de maison. Vous voyez quasiment jamais d'immigrés pour des raisons financières, mais pas seulement. Parce que la structure familiale dans nos quartiers, vous savez, heureusement que nos quartiers pauvres sont solidaires, sinon ils seraient invivables. Mais vous voyez, là, il y a un vrai... Et je pense que la pandémie a remis les vieux au centre. Ah ben oui, tiens, oui, ça justement. Excusez-moi, regardez. Qu'est-ce que c'est Si, parce que ça m'a donné une idée, parce que je ne savais pas comment le placer. Merci Jean-Viard, vous m'avez permis de rappeler qu'il faut mettre les vieux au centre. Oui, mais qu'est-ce que c'est les pauvres? Oh. Il est un peu pessimiste, votre dessinateur. Mais oui. Et bien justement. Je suis fils de démographe. Voilà. Hein. Vous savez, c'est des pompiers à la maison. J'avais prévu une dernière question un peu pessimiste, et vous êtes très optimiste depuis tout à l'heure, et ça fait du bien. Parce que moi, je trouve que les gens sont devenus sceptiques sur tout. On observe une défiance montante vis-à-vis de certains médias, pas France 3, certains politiques, certains scientifiques, la science elle-même, il n'y a rien de plus cartésien que la science, est remise en question. Les théories du complot, malheureusement, n'ont jamais été aussi nombreuses. Au lieu d'être solidaires, eh bien, les gens, j'ai pas l'impression, moi, j'ai l'impression justement qu'ils n'ont jamais été aussi divisés. Est-ce qu'on a un espoir de réunification? Selon vous, oui, depuis tout à l'heure. Et les gens ont été réunis par grande religion. Après, ils ont été réunis par grande classe sociale. Et en gros, on était pauvres, mais on se tenait chaud. Dans les manifs, dans les batailles sociales, dans les syndicats, etc. Aujourd'hui, on est une société d'individus où effectivement, 63% des bébés naissent en mariage, on a doublé nos rapports érotiques, on a en général 2 ou 3 couples dans une vie, etc. On change d'emploi. Donc, ça donne une société en archipel avec des gens qui ont des vies discontinues. C'est-à-dire, on a gagné en liberté. Alors, comment, quand on gagne en liberté, on recrée du commun? C'est pas facile. Et si vous voulez, le commun, il était issu de la révolution industrielle. Au fond, il y avait le capital et le travail, on va dire. Et au fond, on était tous d'accord sur le progrès. Par contre, on n'était pas d'accord sur la répartition des fruits du progrès. Donc, on s'engueulait sur comment, etc. On n'est plus dans une société industrielle. Il n'y a plus de classe sociale au sens culturel du terme. Billancourt n'existe plus. Il y a toujours des pauvres et des riches. Hein. Mais on est morcelé. Et du coup, qu'est-ce qui reconstitue du lien? Le local. Et à mon avis, l'idée que petit à petit, le réchauffement climatique va créer un nouveau commun. On peut créer des grands camps politiques d'affrontement. Il y a des gens qui seront pour le nucléaire, des gens qui seront contre, des gens qui seront pour la marche à pied, d'autres qui seront pour la voiture. On ne va pas être d'accord. On ne va même pas être d'accord sur la répartition. Il y en a qui veulent supprimer les piscines, il y en a qui veulent supprimer les avions privés. On est parti pour des nouveaux conflits, parfois un peu kafkaïens. Mais à nouveau, on va pouvoir refaire de la politique. Et donc, c'est ça qui crée du lien dans les sociétés. Mais le local d'abord, la société de proximité. Regardez partout les solidarités, les tiers-lieux qui se créent en France. Il y en a des milliers. Donc, je verrais des tas d'endroits où il y a des choses qui se constituent. Mais ce n'est pas les solidarités d'hier. Il faut les regarder. Clo-Clo, ce n'est pas vous encore. Ah, c'est vrai qu'il ne serait pas mort. Ah oui. Non, mais c'est vrai, ça, c'est vrai. Le fait de changer une ampoule quand on est dans sa baignoire, c'est une idée originale. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Ça, chacun fait comme il veut. Voilà. Mais je ne l'ai jamais fait, donc je suis là pour vous parler. Eh ben, j'étais très contente que vous soyez là. Vous avez encore une petite conclusion ou c'était... Ah, mais non, vous m'avez dit que c'était la dernière question, donc j'ai répondu sur la dernière. Monsieur non, mais vous savez, il faut se dire qu'on est dans une société où plus la vie est longue, plus on la vit par séquences courtes. C'est ça le couple. C'est vrai, ça. Et donc, si vous voulez, c'est pas un drame parce que c'est plusieurs amours, plusieurs travails, plusieurs convictions. On peut très bien avoir changé. Il y a des époques où on fait du sport, des époques de Revoque Front National, après avoir voté socialiste. Donc, je veux dire, on est dans ces sociétés. Quelque part, c'est des sociétés de liberté. Mais ces sociétés de liberté ont besoin de règles. Et en ce moment, on n'a pas ces règles. Mais on a la société de liberté. C'est déjà pas si mal. C'est vrai que c'est déjà pas si mal. Merci beaucoup, monsieur Jean-Viard, d'avoir été avec nous ce soir. Jean-Viard, mesdames et messieurs, merci infiniment. Nous allons désormais ensemble nous intéresser à l'histoire de Caen. Et vous savez quoi? On va lever certains doutes, plusieurs idées reçues, plusieurs préjugés sur la ville de Caen. Et qui mieux pour nous parler de l'histoire de la ville de Caen qu'un professeur d'histoire? Merci d'applaudir chaleureusement monsieur Christophe Manœuvrier, s'il vous plaît. Je vous en prie, bienvenue à monsieur Manœuvrier. Vous êtes... Excusez-moi, Anne. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves qu'il ressemble à Clo-Clo? C'est pas un prof d'histoire, ça. C'est vrai que vous ressemblez à Claude François. C'est un prof d'art plastique, là, tu me changes. Mais non, qu'est-ce qu'il y a de vous, monsieur, d'abord?
Vous êtes professeur d'histoire. Là-bas, collier de barbe. Je suis complètement à côté de la plaque. Je vais t'en montrer un, prof d'histoire, moi, tu vas voir. C'est pas un prof d'histoire, ça tout fout le camp. Bon, en tout cas, moi j'aurais bien aimé vous avoir en prof, vous êtes bien. Hein. Bon, mon cher ami. J'ai failli avoir son père, mais je suis trop jeune. Oui, bah mon pauvre vieux. Alors, vous êtes enseignant-chercheur en histoire à l'Université de Caen-Normandie depuis 2004, spécialisé dans l'histoire de la Normandie. Depuis 2017, vous êtes par ailleurs directeur adjoint de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen. Alors, je voulais annoncer en début de soirée, on va être très fiers d'être normand, et notamment grâce à vous. Parce qu'on va lever ensemble eh bien, certains doutes sur trois aspects. Tout d'abord, on nous dit que le territoire de Caen-la-Mer est un territoire maritime depuis toujours. Déjà, on dit Caen-la-Mer. Mais pardonnez du peu, je n'ai pas l'impression que les Caennais se sentent très marins. Quand on pense Caen, on ne pense pas à une belle plage, la mer. Et pourtant, monsieur Manœuvrier. Et oui, c'est une bizarrerie, parce que quand on regarde l'histoire de Caen, l'histoire de la Normandie, la mer est omniprésente. Alors, il y a, je pense, des éléments caennais et des éléments plus larges, normands. On a favorisé une espèce de mythologie dans l'image de la Normandie, de l'agriculture, de la tripe à la mode de Caen, du camembert, du calvados. On est quand même le seul département avec un nom d'alcool. Et on a laissé de côté, on a marginalisé deux autres éléments importants, l'histoire industrielle, et je crois qu'ici elle est bien présente, et puis l'histoire maritime et la place de la mer dans la basse Normandie. Donc il va vous embêter, je crois. Ouais. Je pense qu'il vous aime bien. Ouais. Trop tard. On va parler du port. Et oui, le port de Caen, évidemment. Est-ce que il y a qu'à Caen où on se pose la question de savoir si Caen est une ville maritime. C'est vrai. Quand les gens arrivent d'ailleurs, ils voient les mouettes, ils voient les bateaux maintenant, le port. Longtemps, on ne l'a pas vu, ce port, à Caen. Il était caché. Il était réservé aux gens qui travaillaient sur le port. Donc, on a un peu perdu ce contact direct avec l'élément, avec le bateau. Bon, il n'y a pas de plage. OK, la plage, elle est un petit peu plus loin. Elle est à 15 km, c'est pas loin. Mais est-ce qu'on se pose la question de savoir si Nantes est une ville maritime ? C'est vrai, alors que bon. Ou Bordeaux. Il y a une histoire maritime très forte et cette culture est complètement présente. Et Caen, c'est la même chose. Et voilà, donc à Caen, il y a la mer, donc on peut dire Caen la mer. Il paraît également que notre territoire est capable de toutes les renaissances. Caen, un territoire définitivement résilient. Alors, qu'est-ce qu'il va vous faire encore? Des catastrophes, on en a connu. Hein. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Je sais pas, ça va. Je parle de Ouistreham. Ah, bien. Le petit Romain Baille est demandé au poste de secours. Donc, alors, est-ce qu'on est résilient? Alors, résilient. Oui, des catastrophes, on en a connues. Bon. Je pense que tout le monde, on ne va pas les lister, des anciennes. Pendant la guerre de 100 ans, la ville de Caen a été complètement ratatinée deux fois. Ensuite, on a eu d'autres moments difficiles. Et puis évidemment, la Seconde Guerre mondiale, la crise industrielle. Ce qui m'étonne quand on essaie d'avoir un peu de retour historique et de donner un peu une perspective, c'est la capacité que la ville a eue à chaque fois se reconstruire, se réinventer. Non, c'est pas vous non plus. Moi, c'est pas moi. Non, c'est les catastrophes. On parle des inondations, c'est une catastrophe. On va avoir le temps d'en parler après, des inondations. Et donc, oui, se réinventer et avec des temps difficiles. Mais à chaque fois, on revient, on remet l'ouvrage sur la tâche et la ville se reconstruit, la ville renaît, sans qu'il y ait, par exemple, la reconstruction de la Seconde Guerre, après post-Seconde Guerre mondiale, n'a pas créé un traumatisme à Caen comme dans d'autres villes. Bien sûr qu'il y a eu un traumatisme, mais on a su passer par-dessus. Et il y a des villes qui n'ont pas aussi bien réussi, qui sont restés dans une nostalgie ou dans un monde perdu. Alors on nous dit également que nous sommes un territoire capital. Pourquoi Caen est-elle une ville capitale pour la Normandie? Quel rôle a-t-elle joué vis-à-vis de ses voisins? Alors, il faut revenir sur la définition de capitale, ville-chef, hein, ville de pouvoir, ville qui
polarise un territoire. On est bien dans cette affaire. Je pourrais m'excuser. D'abord, la Normandie a toujours été double. Je crois qu'on pense place de la capitale de Caen dans la Normandie. Mais en fait, la Normandie a toujours été double. Il y a toujours eu une haute et une basse Normandie depuis le Moyen-Âge. Il y en a qu'une et il y en a deux. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Ville-capitale, en matière de culture, alors, on a quand même une université de 500 ans. 500 ans, à l'échelle de l'Europe, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Le zénith, les théâtres. Alors, les zéniths, les théâtres, et tout ça, ça vient de cette capitale de culture. Première académie de province, après l'Académie française. On a inventé des tas de choses en matière scientifique à Caen. Ça va. Ouais. Il y a eu pire. Donc oui, et puis la capitale, parce qu'elle polarise tout un territoire. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a Caen, il y a Caen-la-Mer, il y a l'agglomération, mais il y a aussi plusieurs départements qui sont polarisés par Caen. L'université de Caen, elle recrute sur les trois départements de l'ancienne Basse-Normandie, mais aussi sur l'Eure, parce que c'est plus facile quand on est à Évreux d'aller à Caen que d'aller à Rouen, hein, c'est comme ça. Donc oui, belle offre de santé aussi. Belle offre de santé aussi. Alors, l'offre de santé. On a Baclès qu'on va évoquer ensuite. L'offre commerciale. Bien sûr. Il y a Ikea à côté de Caen quand même. Ça c'est. Et moi je venais de Cherbourg pour venir à Zara hein, chez Caen, donc je vous le dis quand même. Non, c'est vrai, ça c'est extraordinaire également. Oui, bien sûr. Et pas oublier que l'hôpital, la santé, le soin, c'est un héritage aussi monté avec l'université. L'université de Caen a été université de médecine dès le 15e siècle. Top. Très bien. Eh bien. Écoutez, monsieur Manœuvrier, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Monsieur Manœuvrier, s'il vous plaît, merci sous merci vos à vous. Applaudissements. Alors, nous avons évoqué l'histoire et la grande histoire. On va désormais s'intéresser, si vous le voulez bien, au futur. Qu'est-ce que tu fais? Je me disais une chose, Anne. Dis-moi. Vous savez, on se vous voit, on se tutoie, non? Bon, on va se vous voyez, comme bon. Ça fait trop copain, sinon. Vous me rappelez quelqu'un qui est enterré à Caen. Ne le prenez pas mal. Ah, ça hein. Commence bien. Monsieur Loyal est enterré à Caen, et vous avez récupéré son costume, en fait. Mais c'est vraiment très désagréable. N'applaudis Anne, elle est merveilleuse, elle est fantastique. Non, je voulais bien vendeur chez Darty, éventuellement, mais bon, monsieur non. Loyal, mais pourquoi pas? Madame Loyal, ça me va très bien. En tout cas, on va évoquer ensemble, avec mon costume de monsieur Loyal, eh bien, on va rentrer un petit peu dans la science-fiction. On va vous parler du futur. L'avenir se construit, on l'a évoqué aussi via les nouvelles technologies. Si je vous dis intelligence artificielle, ça risque un petit peu de faire peur à certains. Eh bien, écoutez, il est là pour nous rassurer ce soir. Monsieur d'applaudir. Merci d'applaudir, monsieur Ilyes Zaoui. Il est bien mon costume, non? Je l'adore. En plus, on Fayot, l'a prêté. Voilà. Ouais, non, on me l'a prêté, en plus c'est un emprunt. Bon, mon cher Ilyes, vous vivez à Caen, vous êtes le fondateur de Conscience Robotics, une start-up cannaise créée en 2017, une start-up qui a pour objectif de donner une conscience aux robots, c'est-à-dire... Alors, oui, une conscience aux robots, alors tout d'abord une intelligence aux robots. Et effectivement, chez Conscience Robotics, notre mot d'ordre, c'est pour des robots utiles. Donc déjà, pour avoir un petit peu le tableau, donc, Conscience Robotics, c'est une société cannaise qui a 5 ans, avec une vingtaine de cannais qui travaillent. Et c'est aussi une idée cannaise. Et c'est en sortie de l'université où il y a eu ce constat. Ce constat était qu'on voyait de plus en plus de robots, mais ils n'étaient pas utiles. On voyait bien qu'ils avaient certaines capacités physiques qui n'étaient pas exploitées. Et donc, c'est à partir de là où on a décidé de créer un système qui va permettre à tout type de robot, peu importe sa morphologie, de pouvoir devenir intelligent et donc utile. Mais ils font quoi, vos robots? Eh bien, ils peuvent faire pas mal de choses. On en parlait tout à l'heure. On parlait des déserts médicaux. Donc, on a des robots qu'on peut contrôler à distance pour faire un diagnostic, par exemple. La pénibilité du travail. On a plusieurs robots qui vont pouvoir prendre le relais sur des travaux pénibles et nous faciliter, en fait, la vie. Christophe Manœuvrier nous a parlé tout à l'heure d'histoire. Est-ce que le futur de notre territoire va forcément s'inscrire via ces nouvelles technologies, Ilyes? Eh bien, je pense que nous sommes obligé de passer par là, c'est-à-dire que ça va arriver. Maintenant, à nous de voir comment on va le prendre. Moi, je suis très attaché à mon territoire. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont
bien ancré. Je ne pense pas qu'il faille dénaturer, mais la robotique et l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va venir nous aider. Ah, c'est pas mal. C'est super comme projet d'avenir. Hein. Ouais, c'est pas mal. Non, c'est bien. Oui, c'est bien. Ah, bah, oui. Vivement 2030. Hein. C'était une appendicite de base. Là, c'était encore un prototype sur lequel on travaillait, mais la version finale sera plus sécurisée. Mais, et donc, ce que je disais, donc pénibilité du travail, donc voilà, c'est un peu un outil pour moi. C'est un peu comme l'informatique. C'est un soutien. C'est un soutien. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez vu le film iRobot avec Will Smith, enfin Rip Will Smith, le pauvre, il n'est plus trop là maintenant, où tous les robots se rebellent et attaquent tout le monde, quand même. Moi, je pense à ça, j'ai aucune envie de me faire attaquer par mon Cookéo demain. Est-ce que vous comprenez quand même que cette thématique de robotisation, ça marche avec Thermomix, hein, pour les plus aisés d'entre nous, mais est-ce que vous comprenez que cette thématique puisse s'effrayer, la robotisation, les robots qui vont faire à la place des humains? Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est une question... Ils se rebellent. Oui, c'est une question assez récurrente et très légitime. Maintenant, je pense que voilà, il y a deux choses. Il y a l'aspect mécanique, c'est-à-dire que oui, un robot, on va lui pour un humanoïde par exemple, va avoir, il lui faut de la puissance pour pouvoir se déplacer, etc. Donc, il peut y avoir des soucis mécaniques, ça peut arriver, mais pas plus qu'une voiture dont le frein ne fonctionne plus ou un téléphone qui explose dans nos mains. D'ailleurs, ça s'est arrivé avec Samsung. Sauf que il y a eu des téléphones qui explosaient, donc, mais c'était très minime. Or, avec un robot, il va falloir faire très attention puisque ça a plus de puissance. Donc, il y a l'aspect technique, mais mécanique, qui peut bien se régler, mais il y a l'aspect intelligence. Et là, effectivement, on met en place des sortes de garde-fous. Mais on va aller jusqu'où dans l'intelligence d'un robot? Est-ce qu'un jour, un robot sera aussi intelligent qu'un humain? Bien sûr. Enfin, pour moi, c'est une évidence et ça va arriver assez vite. Ah, moi, ça me fait peur. Enfin, moi, peut-être pas les gens dans la salle, mais c'est vrai que c'est quand même incroyable. On va créer des robots aussi intelligents que nous. Et ça c'est quand? C'est dans plusieurs années ou ça existe déjà? Alors, ça n'existe pas encore. Moi, je nous donne environ 5 à 7 ans pour que cela arrive. Mais en fait, ça ne s'arrête pas là, puisque par la suite, ils vont devenir plus intelligents que nous. Et mais justement, ils vont prendre le contrôle du monde. Bah, non, d'où les garde-fous et certaines règles qu'on met en place. Donc, je pense pas que ce soit le robot ou l'intelligence qui fait analyser, mais ceux qui la conçoivent. Excusez-moi deux secondes. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais savoir, parce que est-ce que des robots pourront censurer des dessins? Par exemple, j'ai un dessin que je ne peux pas passer là, par exemple. Qu'est-ce que vous allez faire encore? Je ne peux pas passer ce dessin-là, par exemple, sur les téléphones qui explosent. Est-ce que vous pensez que un robot peut interdire cela pour éviter les attentats? Moi, je peux vous censurer, mais bon, après... Oui, j'ai bien ce que je pensais, voilà. Donc je le censure, je ne vous le montre voilà, vous pas. Vous n'aviez qu'à pas critiquer mon costume. Voilà, enfin... Moi, j'ai une autre question. On voit ce qui se passe en ce moment, on voit l'été qu'on a passé, les canicules, le réchauffement climatique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a, à ce jour, le vrai débat, c'est revégétaliser et pas tout automatiser? Ou alors vous faites des robots qui plantent des arbres. Mais vraiment, aujourd'hui, est-ce que c'est pas ça aussi l'avenir? C'est végétaliser à nouveau? Pourquoi des robots, des machines, encore plus de machines? Eh bien, comme je le disais, ce sera des outils et on en fait ce qu'on souhaite. Donc si on veut végétaliser, eh bien, les robots vont nous aider à végétaliser plus efficacement. Donc encore une fois, c'est un outil qui va nous aider et qui va nous aider à aller plus vite et plus loin. Ça dépend de ce que nous, on souhaite en faire. Très bien. Je vous remercie infiniment, Elias, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. On a quand même envie de les voir, vos robots. Ça a l'air bien. Merci infiniment. C'était très intéressant. Ça fait peur quand même, le robot plus intelligent que l'humain, non? Oui. Chenu, ça vous fait pas peur, vous, le robot, là? C'est une obsession pour vous, le réchauffement climatique. Hein. Oui, c'est vrai, un peu. Ouais. Bah, c'est mon côté, dans la pauvreté, un peu bobo qui met des costards. Bah oui, c'est ça, mais en même temps, je regarde votre costume et je me dis que... Vous savez quand même qu'on a quand même comme emblème... Le léopard? Deux léopards, hein, donc voilà. Regardez un peu, là. Je veux bien avoir un côté tigresse, mais bon. Bon, deux léopards, oui. Franchement. Ouais. Est-ce que vous avez déjà vu un léopard en Normandie? Absolument pas. À part pas. Au Cerza ou à Jurc? Non, c'est vrai qu'à Jurc, il y en a un. Non, pourquoi? Voilà, c'est tout, comme ça. Oh, ok, je vous remercie. Très bien. Des trucs, hein, vous savez. En tout cas, voilà, l'année prochaine, peut-être que cette soirée sera animée par un robot. On ne sait pas. Juste un truc quand même. Oui, dites-moi. Oui, vous nous parlez de Will Smith, là. Ouais. Ici, c'est mon petit. C'est Bourville et Gabin, ok? Ouais, ils n'ont pas joué dans les robots. Grande fan, en l'occurrence, de Bourville et Gabin. Mon singe préféré, c'est un singe en hiver.
Abordons désormais, mesdames et messieurs, en vidéo, l'avenir de la presqu'île de Caen. On va vous passer un petit film. La presqu'île de Caen, une ancienne zone industrialo-portuaire. Une zone peuplée essentiellement de grues et de dépôts pétroliers. Bref, des critères qui ne figurent pas vraiment dans le top 5 de Stéphane Plaza. Donc, un cabinet d'architecture néerlandais a réalisé le plan guide de la presqu'île de Caen, c'est-à-dire un document d'urbanisme, un document qui donne les grandes orientations sur l'évolution de la presqu'île dans les 30 ans à venir. Le territoire est allé chercher donc des spécialistes de dimension internationale pour développer ce projet de ville de demain au programme mobilité douce, gestion de la montée des eaux et réchauffement climatique. Ça va me plaire, du coup. La presqu'île de Caen, territoire d'expérimentation, sera le centre-ville de demain. Oui, mais comment? Réponse tout de suite avec cette vidéo réalisée par Caen la Mer. Pas par Caen la Mer, cette vidéo tout court. Je m'appelle Niels Christa, je suis urbaniste et je travaille chez MVDV, une agence d'architecture et urbanisme aux Pays-Bas. Et depuis des années, on travaille d'abord sur la presqu'île et aujourd'hui sur la ZAC Nouveau Bassin. Ce qu'on voulu réaliser et faire sur ce territoire, c'est vraiment essayer d'avoir un quartier exemplaire et démonstrateur de la ville de demain. C'est vrai que la base en fait, du projet, c'est quand même prendre en compte l'existant. On prend en compte les emprises qui sont là. Donc deux fois, on utilise ça pour ériger les nouveaux bâtiments. Deux fois, on réutilise aussi ce qui est là. Dans un hall qui est encore de la qualité, on peut en faire un parc public. Très bien. Et ensuite, il y a bien sûr, par exemple, il y a les rails qui sont là dans une parc. Bon, c'est très intéressant parce que ça raconte l'histoire. Et dès qu'on peut, on réutilise toutes ces traces-là pour donner aussi de l'identité au quartier. Et un exemple peut-être flagrant, aujourd'hui, il y a deux grands crus qui sont là sur les quais. On met tout en place pour les garder et pour que ça raconte l'histoire, ce qui était là à la base. Si on pense à la nouveauté et à être démonstrateur de la ville de demain, ça veut dire aussi qu'il faut tester. Donc on a des nouvelles idées que je viens d'expliquer et aujourd'hui, on peut le considérer comme un laboratoire sur lequel on va tirer des leçons et on espère de pouvoir les appliquer aussi ailleurs dans la ville de Caen. Tous ces aspects de durabilité, de mobilité. Donc l'objectif, c'est de réduire en fait le part de l'automobile dans ce nouveau projet urbain. Et pour ce faire, il faut des alternatives. Qu'est-ce qu'ils sont? Bon, il y a le tram, le transport en public, c'est très important, et il y aura le tram dans ce nouveau quartier, c'est très bien. Ensuite, il y a aussi très bien pensé la place des vélos. Donc, il y a des pistes cyclables partout, on peut traverser de l'ouest à l'est, du nord au sud, tout ça c'est réglé, c'est très important. Ensuite, quand on reparle des mobilités douces, il y a aussi des liaisons piétonnes qui sont partout. Très important, et aussi il y a un passerelle prévu sur le petit quai reliant le nord. Ça va jouer dans cette division en termes quel type de transport est-ce qu'on prend. Ensuite, bien sûr, il y a des gens qui doivent venir en voiture, qui doivent se garer. Il y a la place pour ça. Par contre, ça serait dans les parkings silos, donc on se gare pas chez soi, par contre on se gare un peu plus loin dans un parking silo. Comme j'ai dit tout à l'heure, MVRDV, nous on est néerlandais, notre agence est basée à Rotterdam, Pays-Bas, et il y a des thèmes sur lesquels on travaille depuis longtemps, qui sont ancrés dans nos réflexions. Et j'en prends deux, qu'aujourd'hui on travaille aussi beaucoup chez vous, ici à Caen. La première, c'est la présence de l'eau. Hein. Vous savez peut-être, mais les Pays-Bas, notre rapport à l'eau, elle est partout.
Donc il faut qu'on réfléchisse bien, qu'on l'intègre bien et qu'on accepte la présence et qu'on en tire parti même. Donc ça c'est une première chose. Et après je dirais aussi en termes de mobilité douce, bon, vous savez qu'il y a plein de vélos aux Pays-Bas. Et c'est aussi cette facilité de se déplacer avec ça. Ça aussi, bien sûr, ça a des incidences. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on design les espaces publics, comment on les intègre. Ça aussi, ce sont des savoir-faire que nous, on a, qu'on a voulu aussi mettre en avant dans ce projet. Merci beaucoup au cabinet MVRDV pour leur travail. En effet, quand on veut parler de vélo, en général, c'est bien de demander aux Hollandais. Oui, ouais. Demander aux Hollandais, toujours. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que c'est ? Toujours. Ouais, attendez, bah oui. Demander aux Hollandais, bah voyons, végétaliste, mais surtout pas demander à François Hollande, hein, parce que ça, on a vu ce que ça a donné. Hein. Allez, la Presqu'île de Caen va bientôt par ailleurs accueillir une école d'ingénieurs. Et ma transition est toute trouvée, car difficile de parler de Caen sans parler de ses étudiants. J'accueille à ce sujet Lamri Adoui, le président de l'université. Sous applaudissements. Lamri Adoui, vous êtes le président de l'université Caen-Normandie. Vous êtes enseignant-chercheur en physique atomique à l'université de Caen. Déjà, ça pose un homme. C'est pas mal. Oui. Difficile, en effet, de parler de Caen sans parler de ses étudiants. Il suffit de se balader rue Écuyer, enfin rue Ec, les jeudis soirs pour les voir, ces étudiants. Le jeudi soir, ils ne sont pas forcément en forme, mais bon, passons. Voilà. Vendredi matin non plus. J'y vais plus, je suis trop vieille pour la rue Ec. Moi, je suis place Saint-Sauveur avec mes petits verres de blanc à 7 euros. Donc, c'est bobo. Au niveau local, monsieur Adoui, quelle place occupe l'université pour un territoire comme le nôtre ? Alors, peut-être un chiffre, 34 000 étudiants à l'université de Caen, 3 000 personnels. Donc, quand on somme l'ensemble de ses partenaires, ça représente à peu près un tiers de la ville de Caen intramuros. Donc, ça a un poids extraordinaire. Et d'ailleurs, ça permet à chacun d'avoir parfois une idée de l'université, parce qu'on connaît forcément quelqu'un qui y travaille ou quelqu'un qui y étudie, pour le bien et pour le meilleur et pour le pire. Deuxièmement, une université qui a envie de travailler avec son territoire, et donc qui a envie de travailler avec sa société civile, qui a envie de travailler avec le monde économique, et donc qui a envie d'avoir un impact sur son territoire. Ça, c'est important. Et puis, troisièmement, Christophe a évoqué tout à l'heure l'histoire de l'université, mais on est une université qui a la chance, ce n'était pas le cas des universités de la fin des années 90, a vraiment un campus historique de centre-ville. Et donc, il y a un impact, évidemment, économique sur le territoire qui est très important et qui va, je devance Chaunu peut-être, effectivement, aller au-delà de la rue Écuyer du jeudi soir. Donc, il y a un vrai impact. Et puis, 97% des étudiants de l'université conseilleraient à leurs congénères de venir faire leurs études à Caen. Donc, ça veut dire que les étudiants aiment Caen et je crois que Caen aime ses étudiants. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important pour le territoire. Que propose l'université de Caen comme formation ? Moi, on m'a dit que c'était plutôt scientifique. Alors, c'est complètement pluridisciplinaire. Un étudiant peut venir faire des études en sciences, en santé, en droit, en économie, en gestion, en lettres, en sciences humaines et sociales. Donc, c'est vraiment extrêmement large. Peut-être, pour raisonner avec ce que je disais tout à l'heure, deux, trois formations, par exemple, qu'on vient d'ouvrir là, ce mois-ci, à l'université. Donc d'abord une formation en odontologie qui était très attendue depuis très longtemps pour former les chirurgiens dentistes qui manquent tellement au territoire. Ouais, je viens de Cherbourg, je vous le dis pas. Oui, donc voilà, donc l'université formera des chirurgiens dentistes pour Alençon, pour Cherbourg, pour Caen, effectivement. Je regarde, en psycho, en socio, non, je m'y va, attendais. Ça va, c'est bien. Non, oui, ça. Aussi. Ouais. Deuxièmement, un master pour développer le dialogue entre la science et la société, autour des recherches participatives, par exemple, avec nos partenaires de CSTI du Dôme. Donc là, on est sur des choses très actuelles. Et puis, par exemple, l'ouverture cette année d'un master en radioprotection, qui permet à la fois de travailler dans des environnements nucléaires, qui peut aller des centrales dont on parle beaucoup en ce moment, jusqu'à, par exemple, des médecins, puisqu'il y a des enjeux sur la médecine nucléaire, par exemple. Quels sont, selon vous, les métiers d'avenir de demain ? Il faut parier sur quoi en ce moment ? Est-ce que, par exemple, les robots ? Coucou, Ilyes. C'est plutôt des métiers comme cela ? Qu'est-ce que vous conseillerez ? Alors, on travaille sur des compétences des métiers d'avenir, notamment en répondant à des très gros appels à projets. On est lauréat d'un appel sur la santé numérique, donc ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure, sur des enjeux de télémédecine, par exemple.
On travaille sur l'intelligence artificielle avec normalement un très gros projet déposé par l'université dont je ne peux pas dire le résultat qui sera annoncé lundi prochain et qui est sous embargo. Des projets sur la cybersécurité. Ça avait été entamé avant, je suis désolé. Ouais, désolé. Mais on voit que c'est quand même c'était important. C'est pas fini, c'est dommage. C'est vraiment pas mesquin de ma part. On ne remet pas le couteau dans la plaie. Non, mais c'est un vrai enjeu. De toute façon, globalement, pour les entreprises, pour les collectivités, et pour nous-mêmes, parce que nous-mêmes, on peut être victime demain d'une attaque en termes de cybersécurité. Et puis, bien sûr, des enjeux sur les énergies, sur, j'ai évoqué le nucléaire, mais plus globalement, sur la décarbonation et sur les transitions. On a vu récemment que l'université de Caen était classée dans le top 500 mondial des meilleures universités, selon le classement de Shanghai, qui est un classement qui évalue l'engagement sur les activités de recherche. J'ai une question, comment est-ce que vous voyez l'influence, ce sera ma dernière question, comment est-ce que vous voyez l'influence de l'université dans les années à venir, au regard justement de cette résonance internationale ? Alors le classement de Shanghai, c'est le top 1% des universités mondiales, donc c'est un élément de fierté. Moi, je dirais que ça a deux impacts. Le premier impact, c'est que ça se sait internationalement, donc ça veut dire qu'un étudiant ou un chercheur qui veut venir à Caen et qui ne connaît pas Caen, eh bien, va déjà se dire qu'il s'inscrit dans un milieu où ce n'est pas du tout un désert intellectuel et où au contraire, il y a de la stimulation intellectuelle et de la reconnaissance, donc déjà ça c'est bien. Et puis deuxièmement, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on en fasse un élément de fierté collective. Et que les étudiants, par exemple, qu'ils soient à Cherbourg, à Alençon, à Caen, peu importe, se disent que finalement, ils ont la chance d'avoir une université qui est reconnue, qui rayonne, et que, bon, ils peuvent être mobiles, évidemment, on leur demande souvent d'être mobiles, mais qu'ils ont la chance d'avoir avec eux des chercheurs, des enseignants, des partenaires qui sont reconnus internationalement. Et donc, je pense qu'il faut que ce soit un élément de fierté collective. Vous nous avez rendu très fiers, monsieur Hadoui, président de l'université de Caen, ce soir avec nous. Merci infiniment. Ça donne envie de refaire des études. Vous n'avez rien à rajouter ? Après la vie étudiante, en général, l'enjeu, c'est de trouver un travail. Oui, mais comment ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Ça va, OK. Comment faire connaître nos entreprises ? Comment attirer, garder justement ces jeunes diplômés sur notre territoire ? Les jeunes disent, on ne trouve pas de travail. Et les entreprises disent, on ne trouve pas de jeunes. Et si le meilleur moyen, justement, de les garder, c'était de créer une école sur place qui proposerait une formation adaptée à chacun ? Pour nous en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir Madame Catherine Cousin, directrice générale de la société Filt. Sous applaudissements. Bonsoir Madame Cousin, donc vous êtes donc directrice générale de la société FIT, vous êtes également présidente du conseil de développement dans le cadre du projet de territoire. Un petit mot sur l'entreprise FIT, une entreprise emblématique du territoire créée en 1860, dont le cœur de métier est la fabrication de filets à provision, un secteur qui demande de ce fait une main d'œuvre très qualifiée, difficile à trouver. Vous allez partir de ce constat, vous allez vous dire, et si nous les formions nous-mêmes via la création d'une école, comment est né ce projet, un projet avant tout collectif Madame Cousin? Oui, Filt est basé en Normandie depuis 1860. On est une des plus vieilles entreprises normandes, entreprise du patrimoine vivant, on est une quarantaine de personnes. Effectivement, on nous connaît maintenant grâce à notre filet à provision emblématique de notre activité, mais ça cache plein d'autres filets et plein d'autres activités industrielles dans des secteurs très technologiques. Et effectivement, on constate, mais comme plein d'autres métiers de main-d'œuvre, que les formations sont perdues, on a du mal à trouver une main-d'œuvre qualifiée, donc c'est pas grave, on va la qualifier nous-mêmes. Et effectivement, d'où notre idée en collectivité avec d'autres fabricants. Qui utilisent des machines à coudre, parce qu'en fait nous on utilise nos machines à coudre pour du filet, mais ça peut être également en maroquinerie, ça peut être également en habillement, tapissier, décorateur, et même en architecture avec des machines en couture laser. Enfin, il se passe plein de choses autour du machine à coudre, et l'idée c'était de se rassembler entre acteurs locaux pour ouvrir effectivement une école de formation, une école de production. Ouais, les écoles de production, c'est d'ailleurs très réglementé. Il y a un protocole d'enseignement, vous êtes aussi confrontée à cela. Madame Cousin, cette école ne s'adressera pas forcément à tous les élèves.
Non, alors il y aura probablement une première antenne qui va s'ouvrir à Vire. Le porteur de projet est à Vire et nous on montrait une annexe ici dans l'agglo. Ça s'adresserait à des jeunes qui sont sortis du système scolaire. L'idée c'est qu'ils apprennent en faisant. Ils se mettent sur la machine et voilà, on bricole, on avance et petit à petit on apprend en faisant. C'est vraiment la base de cette formation, c'est apprendre en faisant. Puis l'idée également c'est de redorer l'image de la PME. Une PME à taille humaine, dynamique et surtout redorer l'image de l'apprentissage dans son ensemble. Mais oui, voilà, on ne fera pas que des ingénieurs, on ne fera pas que des médecins de tous nos enfants, et tant mieux, parce qu'on a besoin de gens doués avec l'intelligence des mains. Moi, j'ai une admiration profonde pour les métiers d'art, et la couture fait partie, quelque part, je trouve, des métiers d'art, puisqu'on était bien contents de trouver des couturières pour faire des masques pendant le Covid. Ouais, voilà, et on a redécouvert que c'était important d'avoir des métiers manuels, et moi, je milite, effectivement. Oh, c'est bien. Vous êtes taquin sur les fringues ce soir. Moi, j'ai rien dit sur votre petit costume, votre petite... Mais je suis là pour ça, cher ami. Votre petit collier Mat Pokora, là, ça va, j'ai rien dit, Mat moi. Mat Pokora, hein. Non mais... Ouais, ça va, moi, j'étais quoi? J'étais Monsieur Loyal qui était opéré. Merci, Mat Pokora, c'est cool, déjà. Non, mais... J'aimerais bien être comme Mat Pokora. Ça va très bien. Ouais, vous êtes encore mieux. Je suis sympa. Je suis la première à rire de moi, donc ça ne me pose pas de problème. Elles sont très belles, vos lunettes, madame, excusez-moi. Pardon. Elles sont magnifiques, vos lunettes. Mais ça me pose... Comment? Très bien, merci pour ce compliment. Non, mais elles sont... Oubliez ce qu'elle a dit, parce qu'elle elle critique toujours, etc. Moi jamais. Franchement, tu sais, vraiment. Hein. Ah, fatigue, c'est n'importe quoi. Ça va être long. Ah, là. Ça va être... Elle va s'appeler comment, cette école? Elle ouvrirait quand? Alors, le nom n'est pas encore du tout défini. C'est vraiment une... Là, on est vraiment au balbutiement de ce projet, puisque d'abord, ça ouvrira à Vire. Ça correspondra à un CAP... métier de la mode, puisqu'il faut répondre à un référentiel académique. Mais c'est un projet absolument magnifique. Merci beaucoup, madame, merci à vous d'avoir été avec merci nous ce soir. Merci, au revoir. Je surveille. Santé désormais, on parlait de la santé. La ville de Caen, France, inverse un service de santé remarquable. Le centre François Baclès est classé parmi les 100 meilleurs hôpitaux du monde. Un centre de lutte contre le cancer qui exerce une triple mission, le soin, la recherche et l'enseignement en cancérologie. Et le tout en mettant au cœur de ses engagements l'humanisme, l'innovation, l'excellence et la solidarité. Et pour nous en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir le directeur général du Centre François Baclès, le professeur Marc-André Mahé, s'il vous plaît. Je vous en prie, soyez le bienvenu. Professeur Mahé, on connaît, je ne vais pas commencer par des choses très réjouissantes, on connaît la crise sans précédent que connaît le milieu hospitalier, le manque de lits, le manque de moyens, le manque de personnel, le manque d'attractivité également pour les métiers du milieu hospitalier. Le centre Baclès, malgré tout cela, reste une référence. Vous faites office de vaisseau amiral dans cette tempête. Qu'est-ce qui fait votre force? Ah, excellente question. Oui, effectivement, on réussit... Tant bien que mal, parce qu'on a aussi des difficultés à traverser la crise avec effectivement les conséquences que vous venez de citer. On a effectivement une triple mission, soins, enseignement, recherche. Et notre préoccupation, ben, c'est toujours la même, c'est le patient et son entourage. On a des valeurs, et dans les valeurs, il y a notamment l'humanisme et la solidarité. Et on essaie de les décliner et de les respecter. Ce n'est pas toujours simple. Donc pour nous, notre préoccupation principale, c'est le patient, comme on dit toujours. Nos meilleurs ambassadeurs, ce sont nos patients. Alors ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire les associer aux décisions. C'est un élément très important. Coordonner leur prise en charge. Un patient n'a pas vocation à être traité uniquement à l'hôpital. Il peut très bien être traité dans un hôpital général, dans un service de soins de support et de réadaptation, en hospitalisation à domicile, voire à son domicile. Il ne faut pas oublier non plus que le patient, c'est un tout. Il y a une globalité. Il y a bien sûr la maladie, mais il y a aussi l'individu. Il faut prendre ces éléments en compte, qu'avant d'être malade, il a été un citoyen,
qu'effectivement, il faut faire en sorte qu'ils puissent avoir un accès suffisant à la fois à la prévention et au dépistage, et qu'une fois que son traitement actif est terminé, ben, il va redevenir un citoyen. Il peut avoir des séquelles de la maladie. Il a été évoqué tout à l'heure les difficultés de retour au travail, le sentiment de solitude que peuvent ressentir les patients lorsque leur traitement est actif. C'est important. Il faut aussi avoir toujours à l'esprit l'égalité d'accès aux soins. Et c'est une règle dans les centres de lutte contre le cancer de ne pas faire de dépassement d'honoraires. Je pense que dans le contexte actuel, c'est un élément important et je tenais à le rappeler. Professeur Mahé, le Centre Baclès lutte contre le cancer, mais pas seulement. Quelles sont vos différentes missions ? Alors, comme on l'a dit, le soin, hein, c'est 27 000 patients qui sont pris en charge chaque année, 7 500 nouveaux patients. Toutes les formes de soins, bien évidemment, je ne vais pas les détailler. C'est la recherche avec un élément très important, c'est faire en sorte que la recherche, il y a un continuum dans la recherche, c'est-à-dire que on part du laboratoire et ensuite, lorsqu'on a isolé une molécule qui peut être intéressante ou un traitement qui peut être intéressant, je pense qu'on parlera tout à l'heure de la dronthérapie, on essaie de faire en sorte de le tester chez le patient. Dans le cadre de protocoles de recherche, on inclut 10% de nos patients sont traités dans le cadre de protocoles de recherche. Et il faut aussi assurer l'avenir, donc c'est notre action de formation qui concerne bien sûr les médecins, mais également tout ce qu'on appelle les professions paramédicales, les infirmières, les manipulateurs en électroradiologie, les kinésithérapeutes et d'autres stagiaires de différentes professions. Donc voilà, on a cette triple mission, c'est important pour faire en sorte, ce que vous disiez, d'avoir, je dirais, un personnel médical et paramédical suffisant. On a 150 médecins et chercheurs qui travaillent au centre François Baclès. Il y a d'ailleurs quelques médecins roumains, j'ai vu tout à l'heure là, l'image que vous avez proposée. C'était pour faire des amis, moi. C'était pour l'anecdote. Oui. Voilà. Et vous l'avez évoqué justement à demi-mot, j'aimerais que l'on parle de ce projet unique en France, la dronthérapie. De quoi s'agit-il ? Alors, je pense qu'on a une très grande chance à Caen, c'est d'avoir ce projet qu'on appelle le projet Arcade. Je vais essayer de vous expliquer en quelques mots ce qu'est la dronthérapie. Alors, en radiothérapie, on utilise dans 99% des cas des rayons X. Les rayons X, ce sont les mêmes rayons X que pour faire une radiographie pulmonaire, une radiographie du genou, mais simplement avec une énergie plus importante. Et on obtient des résultats qui sont très intéressants. Alors, qu'est-ce que l'on appelle les hadrons ? Les hadrons, ce sont des particules qui ont une charge électrique et qui ont deux avantages par rapport au rayon X, un avantage balistique et un avantage biologique. L'avantage balistique, c'est que la dose qui est délivrée est concentrée sur la tumeur. Il y a très peu de doses avant la tumeur, et il n'y a pas du tout de dose après la tumeur, à la différence des rayons X, qui, on va dire, arrose un peu tous les tissus sains et les organes qui sont en avant, sur les côtés et en arrière de la tumeur. Le deuxième avantage, c'est un avantage biologique. C'est-à-dire qu'à dose égale, par rapport à des rayons X, on détruit entre 2 et 3 fois plus de cellules cancéreuses. Donc, double avantage. Alors, en matière d'avancement du projet, donc la première partie du projet, c'est ce qu'on appelle les protons. La protonthérapie a débuté en juillet 2018. On a déjà traité pratiquement 500 patients, on a fait 15 000 séances et on traite notamment les tumeurs de l'enfant, puisque chez l'enfant, la difficulté principale, si je peux dire, c'est surtout celle des séquelles. Les tumeurs de l'enfant, on les guérit à plus de 80%. Les tumeurs de l'adulte, on les guérit aux alentours de 55%. Et donc le problème chez les enfants, ce sont les séquelles à moyen et long terme. Si vous traitez un enfant à 10 ans, 20 ans après, il n'aura jamais que 30 ans. Donc ce sera un adulte jeune. Et donc la deuxième étape du traitement, c'est la construction et le début des activités de soins, mais également de recherche, avec ce qu'on appelle des ions lourds. Ce sont les ions carbone ou des ions hélium qui s'adressent à des tumeurs
radio-résistante. Le problème de la radiothérapie, ce n'est pas tant de délivrer la dose, on peut toujours délivrer la dose, mais c'est la difficulté des complications quand on fait une dose trop forte. Et donc cette deuxième partie du projet qui devrait débuter à échéance 2025-2026, ce sont les ions carbone et les ions hélium. Donc on a beaucoup de chance, d'une part parce qu'on fait partie des trois centres français qui ont la protonthérapie, avec l'Institut Curie à Paris et le centre Antoine Lacassagne à Nice. Et on sera le seul centre français à pouvoir proposer, à échéance, comme je le disais, 2025-2026, la protonthérapie et l'hadronthérapie, la carbonthérapie. Actuellement, il n'y a que trois centres en Europe, un en Italie, un en Allemagne et un en Autriche. Donc il faut considérer qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Et on a beaucoup de chance de vous avoir. Voilà. Je vais me permettre de vous dire deux choses. La première, c'est pour citer une émission que j'aime bien, vous êtes formidable. Et la deuxième, ne le prenez pas mal, mais j'espère n'avoir jamais à vous revoir dans le cadre de votre travail. Merci beaucoup, professeur Maille. Je comprends tout à fait. Merci infiniment. J'en profite pour rappeler que nous sommes au mois d'octobre, le mois d'octobre rose, le mois de prévention de la lutte contre le cancer du sein. Mesdames, permettez-moi cette familiarité, mais palpez-vous. Merci pour nous et pour elle. Anne. Oui, qu'est-ce que tu vas rebondir là-dessus? Non, mais nous sommes ici sur le site de la SMN. Oh, alors voilà avec la SMN. Oui, mais je vais vous dire une chose. Au sud de Caen, il y a Condé-sur-Noireau. Mm-hmm. Et on n'oublie pas tous les ouvriers qui sont morts des cancers, des poumons, ouais, par leur travail. Et ici, plus que jamais, nous pensons à eux. Et vous le voyez, on vient d'entendre hein, le professeur Maille. Je ne sais pas pour vous, mais je me sens un petit peu plus protégée, hein, un peu plus en sécurité grâce à des gens formidables comme eux. Et on ne pense pas justement forcément qu'il y a de la recherche de haut niveau à Caen. Et pourtant, je vous propose de rencontrer en vidéo une femme qui s'appelle Svetlana Mintova. Elle est directrice de recherche au CNRS. Elle vit à Caen depuis 2009 et elle vient de décrocher une bourse européenne de 2,5 millions d'euros pour développer des énergies nouvelles. Elle fait de la recherche fondamentale et appliquée. Elle travaille avec les plus gros groupes sur l'énergie et la santé. Elle explique bien mieux que moi. Je vous propose tout de suite une immersion dans son laboratoire exceptionnel par son niveau de technologie. Une vidéo Caen la mer, tout de suite. Bonjour à tous. I'm Svetlana Mintova. I'm Director of Research in CNRS and I work for the Laboratory of Catalysis and Spectrochemistry in the Engineering School NC-Caen and also University of Normandy Campus Caen. I'm also the head of the Center for Zeolite and Nanoporous Material, and this center has been supported by the region of Normandy. I'm a visiting professor in China University of Petroleum and also the president of the International Zeolite Association and the president of the European Zeolite Association. The project I receive is about zeolites, more specifically on fundamental study of zeolites. And what are zeolites? Those are materials with inorganic nature containing regular microporosity. These materials are based only on silicon and aluminum, and they are non-toxic, and therefore they're widely used in classical applications such as catalysis, adsorption, but also biomedical uses. This is a very interesting question to address because the materials we developed are zeolites, well known not only as catalysts, as heterogeneous catalysts, but are the best adsorbents, and they're widely used for separation of gases as well as for capturing of desired gases and storage. Zeolites have been used in the beginning for separation of water
from other gases. And this is one obvious application for capturing and releasing of water. And based on this, we could produce chilling system, heating system, which could be used in household or at higher developed level. In addition to that, zeolites are widely used for CO2 capture, for CO2 absorption, and our current projects, supported from Total Energy, are dedicated on the development of new materials for capturing of carbon dioxide and for separation of carbon dioxide from methane. Because further, we would like to use this methane to produce hydrogen. And also I would like to mention the great contribution from the region of Normandy that support partially this project, mostly for the application of CO2, capturing CO2 release at certain conditions. So for the last 10 years, we had a growth from 6 people up to 50 people. And these people are also coming with their expertise that allow to develop new topic. And this new topic require time in the coming 10 years that these 10 topics could be developed, more people could be involved, and thus new activities could be established. Je vous invite désormais sur le campus 1. On va aller visiter cette salle de réalité virtuelle qui s'appelle le CIREV. Le CIREV, c'est le centre interdisciplinaire, de réalité virtuelle. Une salle immersive donc de réalité virtuelle au service de la recherche et de la prise de décision. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir Madame Sophie Madeleine, la directrice du CIREV. Sous vos applaudissements. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle. Alors, ma chère Madame Madeleine, les compétences et les équipements du CIREV accompagnent chercheurs et entreprises dans le développement, la recherche et la production de contenus en réalité virtuelle. Mais déjà, c'est quoi une salle immersive ? Comment cela fonctionne ? Alors, une salle immersive, c'est une salle dans laquelle on va diffuser de la réalité virtuelle. Et ce que l'on connaît le plus couramment en termes de réalité virtuelle, c'est le jeu vidéo. Et bien, nous, on utilise la réalité virtuelle à l'université. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, on a la plus grande salle de réalité virtuelle de France en milieu universitaire. Et à ma connaissance, même probablement la plus grande salle au niveau européen. On utilise la réalité virtuelle dans tous les domaines de la recherche. Et actuellement, on est vraiment pionnier dans l'utilisation de cette technologie. Alors j'ai une question, est-ce que tout le monde peut aller visiter le CIREV ou il faut prendre rendez-vous ? Comment ça se passe ? C'est pas forcément ouvert au grand public ? Si vous voulez faire une thèse, par exemple, je peux vous recevoir. Non, c'est une salle utilisée vraiment pour la recherche. C'est une salle qui est utilisée 6 jours sur 7. Les emplois du temps sont très contraints. Mais lors des journées du patrimoine, une partie des Canets ont pu venir découvrir cette salle. Et il y aura d'autres expériences comme celle-ci. Alors vos travaux permettent de visualiser une réalité future, pas toujours malheureusement des plus réjouissantes, sur le sujet de la montée des eaux. Notamment, vous proposez une simulation de submersion de la ville d'Étretat. À quoi cela peut-il servir ? Alors le projet consistait à mettre les élus autour de la table pour savoir comment nous pouvions travailler ensemble pour avoir un territoire résilient face au changement climatique. Et on s'est rendu compte qu'à ces réunions, finalement, il y avait beaucoup de crispations. Il y a les personnes qui arrivent dans la salle en disant « on va nous prendre nos maisons ». Il y a les élus qui se disent « est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ?» Et on s'est dit « mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre tout le monde autour de la table en partageant la même culture scientifique ?» Se mettre tous ensemble à essayer de chercher des solutions une fois que l'on saura ce qui va se passer. Et au lieu de fournir
un livre épais comme ça, ou de fournir des quantités de tableaux avec des traits, Excel, avec des beaux chiffres. Eh bien, nous, ce qu'on a fourni, c'est une simulation virtuelle qui dure à peu près deux minutes. On voit quelques images là actuellement. Voilà, ça, c'est la simulation qui dure à peu près 2 minutes. Et on s'est rendu compte, on a rencontré à peu près 200 élus à ce jour, ce qui est quand même pas mal. Et on s'est rendu compte que 80% des élus se disent davantage concernés, mieux comprendre ce qui va se passer et sont prêts à discuter avec la population pour chercher des solutions une fois qu'ils ont vu cette restitution virtuelle. Et quand on diffuse ces images auprès de la population, on a 98% de la population qui nous dit on comprend mieux et on est prêt à essayer de chercher ensemble des solutions. Et justement, Madame Madeleine, on fait quoi ? Ça va arriver ? On attend que ça se passe ? On sait que ça va arriver à un moment. L'idée, c'est de s'y préparer pour que ça ait le moins d'impact sur l'homme ? L'idée, c'est d'avoir une base scientifique commune pour savoir ce qui arrive. Et on n'est pas dans la science-fiction. On a passé l'étape de est-ce que ça va arriver ? Est-ce que ça ne va pas arriver ? Oui, ça va arriver. Mais on peut s'y préparer. Et justement, je voudrais plus voir moi cette attitude de qu'est-ce qu'on va faire. Non, on va garder des territoires ouverts sur la mer, attractifs. On va continuer à vivre de ces territoires. On va juste y vivre et en vivre différemment. Mais on peut en vivre aussi bien. Il suffit de s'y mettre tout de suite. Et je pense que grâce à ces simulations, on n'est plus dans le déni et on n'est plus en train de dire mais il n'y a pas de solution. Il y a des solutions. L'idée, c'est de créer un électrochoc pour agir plus vite. Et ben exactement. Mais un électrochoc scientifique, parce qu'une fois que la base scientifique est posée, on passe du peut-être, du on verra bien, à ça arrive, comment on fait pour s'y préparer. Et on est aussi là pour proposer des solutions et pour être actif et non passif. Et je le sais parce que vous me l'avez confié, vous êtes face à beaucoup de gens très sceptiques. Aujourd'hui, la science elle-même, je le disais, il n'y a rien de plus cartésien, il n'y a rien de plus mathématique que la science, est remis en cause. Et sachez que vous me l'avez confié et vous êtes confronté à de nombreuses réactions. Tout à fait, mais justement, je pense qu'avec un outil comme celui-là, on peut avoir deux choses. On peut avoir la fiabilité de la science. Je ne vais pas vous assommez, mais ces restitutions sont réalisées avec un logiciel de fluide et toute personne qui voudrait vérifier les calculs mathématiques peut venir vérifier ces calculs mathématiques, c'est de la science. Et en même temps, on la rend accessible. C'est une simulation qui doit durer 2 minutes et on essaye de transformer justement cette science en quelque chose d'accessible pour se mettre autour de la table. Encore une fois, le but, c'est de discuter et surtout de comprendre ensemble ce qui va se passer pour mieux l'anticiper. Et puis pour agir. Merci infiniment, Madame Madeleine, je rappelle, directrice du CIREV. Qu'est-ce qu'il a fait ? J'ai pas tout compris. Cette dame nous projette vers le futur, c'est ça ? Tout à fait, c'est des simulations de ce qui va arriver si on ne fait rien. D'accord. Et pourquoi elle n'est pas intervenue au moment où on a fermé Fessenheim et on a arrêté le nucléaire au profit des centrales à charbon et des éoliennes ? Pourquoi elle n'était pas là à ce moment-là ? Vous étiez née ? Peut-être pas ? Elle est partie. Bah, voilà, non, elle n'est pas loin. On va revenir désormais à des choses plus terre à terre, hein, enfin, entre guillemets. On va parler culture, on va parler également sport, on va parler cadre de vie. Et si on parlait de cette fameuse qualité de vie qu'offre notre territoire, et notamment, évidemment, sur Caen ? On va commencer en musique, si vous le voulez bien, avec M. Sébastien Dossé, chef d'orchestre et musicologue. Sous vos applaudissements, bien sûr. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Monsieur Dossé. Bonsoir à tous. Alors vous êtes donc, je le disais, chef d'orchestre et musicologue. Vous êtes en résidence à Caen avec votre ensemble Correspondance. Déjà un mot, présentez-nous cet ensemble. Alors l'ensemble Correspondance est un ensemble musical, professionnel, que j'ai créé il y a 12 ans et qui est parti d'un projet très pointu, on pourrait dire très précis, qui était de partager avec le public la musique qui a été imaginée, composée il y a 3 ou 4 siècles. Et partant de toute cette matière-là, de la façonner pour en faire des spectacles qui parlent au public d'aujourd'hui. Donc c'est un ensemble qui fait à peu près 50 à 80 concerts par an, partout dans le monde. On joue à peu près un tiers de nos concerts en dehors de France. On rentre d'une grande tournée aux États-Unis, donc on bouge beaucoup finalement avec ce projet qui était très pointu sur le papier au départ et qui a finalement nous a donné une spécificité qui nous a fait connaître partout dans le monde. On vous sent très dynamique. Qu'est-ce qui vous motive au quotidien ?
D'abord, ce processus d'aller puiser dans le passé pour fabriquer des objets artistiques d'aujourd'hui qui nous parlent, parce que ça crée ce lien entre quelque chose qui remonte à nos origines, avant nous, et qui nous projette dans l'imaginaire, dans ce que pourrait être le monde de demain. Donc ça, c'est la première chose. Peut-être ce qui nous motive aussi, c'est l'idée de partager ça avec le maximum de monde. Alors, bien sûr, la culture, elle est beaucoup dans les villes, elle est beaucoup à Caen. Ce qui nous passionne aussi, c'est de partager ça dans des zones plus rurales. Alors, peut-être que vous avez suivi, pour certains d'entre vous, on fait depuis 3 ans une tournée à vélo sur laquelle on bloque une partie de l'été, et avec les musiciens, on part de village en village pour jouer tous les soirs, mais en se déplaçant à vélo, et ce qui nous permet de toucher des gens qui, probablement, n'ont jamais vu de concert de musique classique avant. En tout cas, c'est le cas, c'est ce qu'on nous rapporte. Et donc, c'est une manière de partager la culture qui renonce pas du tout à l'excellence, mais qui nous permet aussi de toucher un autre public que celui des théâtres plus conventionnels. Et justement, vous êtes de renommée internationale, vous faites des tournées dans le monde entier. On est très fiers parce que vous êtes actuellement donc en résidence à Caen. Pourquoi avoir choisi Caen ? Vous y êtes à New York, Miami, je ne sais quoi. Alors d'abord parce que Caen a une histoire avec cette musique, avec la musique, on dit la musique ancienne, c'est pas forcément, disons, la musique du passé. Parce que pendant 25 ans, il y a eu un grand ensemble, un ensemble pionnier qui a été en résidence au Théâtre de Caen et dont on a eu la chance de prendre la suite. Donc je dirais que le principal motivateur pour nous, c'était ce théâtre qu'on connaissait en tant que musicien, en tant que jeune musicien. Je pense qu'à la fois, c'est une institution cannaise que tous les Cannais connaissent et fréquentent peut-être. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi un modèle d'avenir quand on parle de théâtre lyrique. C'est-à-dire qu'en quelques mots, la plupart de ces théâtres qui existent aujourd'hui en France, ils sont associés à un orchestre, à un ballet, à un chœur, qui sont des musiciens permanents. Et qui font qu'aujourd'hui, toutes ces structures ont des coûts tellement importants, qui ont tellement augmenté d'année en année, que les marges artistiques sont devenues très faibles. Caen a la chance d'avoir un théâtre léger. Alors léger, simplement parce qu'il a des coûts de... Il a des... coûts de fonctionnement, je ne sais pas. Non, c'est bien. Moi, je sais. Qui font, en tout cas, qu'à Caen aujourd'hui, on a une sorte de, on pourrait dire, une sorte de rapport qualité-prix qui est énorme avec ce théâtre, où on a une programmation musique, danse, théâtre énorme et d'une immense qualité par rapport à la plupart des théâtres en France. Justement, j'allais vous demander qu'est-ce qui vous séduit dans l'offre culturelle du territoire, mais je crois que vous venez d'y répondre. Quels sont vos projets à l'avenir ? Je pense que les projets, c'est à la fois de continuer à développer tout ce qu'on fait en termes artistiques, de se développer encore plus pour partager davantage notre musique, bien sûr hors de France, en France, et aussi à Caen. Alors à Caen avec des nouveaux projets, à côté de Caen, parce qu'on va s'occuper dans quelques mois d'un festival qu'on a envie de créer un petit peu comme un laboratoire d'expérience, avec bien sûr de la musique, avec cette question de comment on partage la musique, de la convivialité notamment. Donc voilà, c'est un petit laboratoire expérimental qui va être à côté de Caen et sur lequel on espère vous voir très nombreux. On sera au rendez-vous. Merci mille fois Sébastien Dossé, chef d'orchestre et musicologue. Je vous libère vite, je sais que vous êtes attendu. Et si on parlait sport ? Notre région est également une région propice à l'évasion, au sport en mer ou à terre. Ce n'est pas moi qui vous en parlais, mon dernier footing date de 2012 pour de vrai. Par contre, mes deux prochaines invitées sont deux sportives aguerries absolument formidables. Merci d'applaudir chaleureusement Marion Joffre et Justine Lemétayer, s'il vous plaît. Alors les filles, comment on va faire ? Bon, au pire, je reste debout. Non, il y a deux tabourets ? Ah ben non, c'est bon, mettez-vous à côté, les filles, impeccables. Bienvenue, tous les deux de sportifs de très haut niveau dans des disciplines de sport nautique. Marion, vous êtes champion du monde du 50 mètres brasse en eau glacée. Vous avez traversé, écoutez bien, le 21 août dernier, la Manche à la nage, oui, cette petite demoiselle, en 9h22 minutes. Extraordinaire. 21 ans. Bravo! Ce qui fait donc 9h22 minutes de plus que moi, donc je vous félicite. Une nage en plus que vous avez fait pour récolter des fonds pour les cancers pédiatriques, car je sais que c'est important pour vous qu'on en parle ce soir. Vous avez vous-même été malade d'un cancer, Marion, très jeune. Vous avez été atteinte du cancer des tissus mous, détecté à 5 ans. Vous avez dû alors être amputée du majeur à 6 ans dans votre processus de guérison, et aujourd'hui vous êtes totalement guérie et absolument formidable. Justine Lemétayer, vous êtes windsurfeuse normande, ou véliplanchiste, comme disent les moins jeunes d'entre nous. Vous êtes devenue
championne du monde de slalom en moins de 21 ans, le 21 août dernier en Turquie, ça s'applaudit également, s'il vous plaît. Et vous êtes membre de l'équipe de windsurf de France, de l'équipe de France de windsurf. Alors, mesdemoiselles, j'ai une question déjà. Je vais en appeler un petit peu à vos souvenirs. Vous êtes toutes jeunes, et évidemment, que représente notre territoire pour vous, à part de belles plages ou un lieu d'entraînement, Marion? Eh bien, tout d'abord, de belles plages. Et un lieu d'entraînement. Et un lieu d'entraînement. Non, moi j'ai toujours vécu en Normandie. Alors, je suis née à Flers, j'ai vécu à Mortain, à Vire, à Lisieux, à Saint-Imer, puis à Caen maintenant. Donc j'ai fait un petit peu tout le tour. Et c'est vrai que du côté sportif, j'ai pu vraiment m'épanouir sur tous les terrains. Et même d'un point de vue scolaire. Donc j'ai vraiment une très belle scolarité. J'ai eu l'occasion aussi d'être un petit peu à l'université de Caen. Ah. Donc pendant 6 mois, c'est tout, mais j'y étais quand même. mais voilà, je suis vraiment très heureuse. Et Caen est une ville vraiment dynamique. Et pour moi, c'est vraiment important pour pouvoir m'épanouir aussi bien professionnellement que sportivement. Parfait. Même question pour vous, Justine. Qu'est-ce que symbolise ce territoire pour vous? Quels souvenirs ça vous évoque? Ah bah c'est les débuts, parce que maintenant on voyage beaucoup et on ne s'entraîne plus forcément ici, on bouge beaucoup, mais c'est, oui, quand on revient, on retrouve... Moi j'ai grandi à Douvres, et c'était parfait pour être à la fois proche de la mer et des études que j'ai fait sur 2 ans à Caen. Donc c'était voilà, le milieu entre deux parfait, entre entraînement et fac, donc pour l'instant les deux projets fonctionnent. Alors comment arrive-t-on à ce niveau en évoluant en Normandie? Quelles infrastructures la région vous a-t-elle mise à disposition, vous a-t-elle apporté? Est-ce que la Normandie est une terre de champions? En tout cas, permet-elle de les créer? Ouais. Marion, tu veux commencer? Bah, si on est là ce soir, je pense que oui. Donc, on a la chance déjà pour nos deux sports d'avoir la mer à proximité. C'est quelque chose de très important. Moi, pour traverser la Manche, il fallait que je nage dans la Manche. Donc, à 20 km seulement de la mer, pour moi, c'était vraiment opportun. Et puis, j'ai aussi la belle structure du stade nautique avec Caen-la-Mer. Donc, c'est vrai que je m'entraîne quotidiennement là-bas, matin et soir. Donc, récemment, un petit peu moins parce que je récupère de la traversée. Mais voilà, on a de belles infrastructures et qui nous permettent aujourd'hui de réaliser de beaux défis. Justine, même question. Eh ben, en planche à voile, en plus, la Manche, c'est une super mer, parce que c'est très technique, et dès qu'on arrive sur d'autres plans d'eau n'importe où dans le monde, c'est toujours à peu près, c'est pas plus dur en tout cas, c'est rarement plus dur. Donc pour ça, c'est parfait. Donc voilà, et puis je suis licenciée au club de Ouistreham, et c'est pareil, j'ai fait différents clubs dans la côte, mais c'est ce club-là qui m'accompagne vraiment dans mon projet. Et là-dessus, ils mettent beaucoup, donc merci à eux. Et justement, de quelle manière la région vous soutient-elle? Via différents sponsors, j'imagine, également? Alors oui, notamment pour la traversée de la Manche, la région Normandie m'a énormément aidée. Donc, dans un premier temps, d'un point de vue financier, parce que c'était important pour moi de pouvoir réaliser ce projet. Ouais. Et puis après, bien sûr, ils m'ont soutenue moralement, et c'est aussi très, très important d'être soutenue par sa région natale. Eh bien, pareillement avec des partenaires, des collectivités notamment, avec la ville de Ouistreham-Rivabella qui m'a accompagnée, le Calvados pendant un temps, la région MED notamment grâce à la Ligue, la Normandie Elite Team qui aide tous les athlètes en voile à l'international. Et ça, oui, les collectivités ont été mes premiers partenaires financiers. Donc forcément, si on est là aujourd'hui, c'est en partie grâce à eux, parce que les déplacements, faut les financer. Est-ce que vous avez conscience, mesdemoiselles, d'être venue l'une des ambassadrices de notre sport? Est-ce qu'on ressent le fait de porter un territoire? Est-ce qu'on dort avec le drapeau normand? Je ne vous demande pas de vous faire tatouer un léopard sur la cuisse, mais est-ce que vous sentez que vous êtes des ambassadrices de notre sport en Normandie? Je pense que oui. C'est vrai que quand j'ai été à Mourmansk en Russie, la région Normandie m'avait fourni des bonnets à l'effigie du drapeau normand. Et pour moi, c'était important de me sentir soutenue par la région et de me sentir ancrée dans le territoire. Et de pouvoir le représenter, c'est quelque chose de très important. Et voilà, je pense qu'on est de belles ambassadrices et on va continuer. Justine. Je me fais d'autant plus plaisir à présenter la Normandie maintenant que je m'entraîne en Bretagne. Ah, oh, malheureuse! Excusez-moi. Les bonnets. Est-ce que c'était ça? Oh, l'enfer. Oui, enfin, vous allez revenir un peu en Normandie.
Oui, bien sûr, d'accord. Quels sont vos objectifs, justement? Marie, il paraît que vous allez nager dans de l'eau encore plus froide. Vous voulez pas regarder une petite série dans un canapé tranquille? Qu'est-ce que vous allez partir faire? Eh ben, pour vous rassurer, j'ai quand même mon petit plaid, mes grosses chaussettes quand je regarde une série avec mon petit chocolat chaud. Quand vous sortez de l'eau, peut-être. Parce qu'il faut savoir que je ne chauffe pas à la maison. Ah, bah, c'est... ah, ah bah, voilà. Ça, il y en a une qui va être contente. Hein. Voilà, moi, j'ai... une dame qui a été élue à Vire. Vire? On a des nouvelles d'ailleurs de cette femme. Je pensais que c'était de moi. Et alors non, vous préparez, enfin, on peut se dire tu, parce que t'es pas, tu prépares l'Iceman. Alors pas le Iceman, mais le Ice Mile. En fait, le Ice Mile, c'est 1609 mètres. Récemment, j'avais tenté l'aventure en Arctique, donc au pôle Nord, et j'avais été sortie de l'eau à 59 mètres de l'arrivée parce que, bah, comme vous voyez, je suis un petit poids plume et mon objectif, c'est de prendre du poids. Et pour février 2024, je sais, je fais déjà loose, je n'arrive pas à prendre de poids. Mais pour février... En même temps, tu nages 9 heures dans l'eau, ça brûle des calories quand même. Et pour février, effectivement, 2024, cette fois-ci, je pars direction le pôle sud, l'Antarctique, pour réaliser ce défi. Bravo. Marion qui m'a confié en coulisses, je ne m'entraîne pas toujours dans les mers en Normandie parce qu'elles sont trop chaudes. Eh ben, on va faire un petit week-end à Cherbourg. Justine, vous, les JO? C'est, mes performances pour l'instant ne sont pas sur la discipline olympique. Ça va faire. Mais je m'entraîne sur le support olympique, mais ce ne sera pas 2024 en tout cas. Bon, manifestement, il faut faire les dunes là, parce qu'on fait les jeux d'hiver dans le désert, tout ça. Mais bon, on croise fort les doigts. Merci infiniment, mesdemoiselles. Vous êtes merveilleuses. Bravo. Bravo. De merveilleuses sportives. La Normandie est un endroit fabuleux pour faire du sport, bien le découvrir, de la musique, développer de nouvelles technologies. Et plus globalement, c'est un territoire très attractif pour venir travailler. Vous venez vers moi? Ben, je travaille, moi, depuis tout à l'heure. Oui, c'est vrai, ouais, ça n'arrête pas. Ouais. Je bosse, moi. Oui, d'accord. Bon, vous travaillez bien. En 2020, une entreprise normande, d'ailleurs, fut la première entreprise du territoire à obtenir le label Great Place to Work, meilleur endroit pour travailler. À ce sujet, je vais recevoir tout de suite Emmanuel Poplaire, DRH de l'entreprise Le Galet, s'il vous plaît. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Alors un petit mot sur Le Galet, entreprise de quincaillerie de matériel professionnel pour le bâtiment, première entreprise du territoire à obtenir le label Great Place to Work. Nous sommes en 2020, question toute bête, comment on obtient ce label? On amène des chouquettes tous les matins aux salariés, comment ça se passe? Alors non, nous on fait plutôt attention à l'équilibre de santé, donc on est plutôt sur les pommes. Sur les pommes. On distribue des pommes. Non, mais je suis sûre que vous faites vraiment. Non, c'est on fait. Non, non, on se fait. Au-delà de ça, au-delà de la plaisanterie, je pense que ce label dont on est très fier, hein, qui date de 2020, c'était quand même pas la meilleure époque pour la meilleure période pour obtenir post-confinement un label. C'était assez difficile. C'est un label assez exigeant en fait, avec qui explore toute la culture interne de l'entreprise. Et ce qui ressort vraiment des résultats, c'est que il y a un sentiment de fierté extrêmement fort chez Le Galet. 78% des travailleurs se déclarent comme fiers de travailler chez Le Galet. Je pense que ça vient des valeurs. Ouais. Des valeurs fortes. Quelles sont-elles, ces valeurs ? Le respect, la confiance partagée, la bienveillance et l'ambition, parce que c'est une entreprise qui se porte bien, qui se développe, qui croit en permanence depuis une trentaine d'années et qui a une trajectoire encore d'ambition très forte. Donc je pense que ça donne aussi, ce projet d'entreprise très ambitieux donne aussi du cœur à l'ouvrage à l'ensemble des salariés de Le Galet. Et comme il est partagé, tout le monde se sent en collectif. C'est une entreprise de négoce, hein, de commerce, donc tout le monde tourne autour du client. Il y a une vraie équipe permanente autour du client, la logistique, le service conseiller, conseil téléphonique à distance et nos commerciaux sur le terrain. Donc pour le coup, c'est vrai que comment Le Galet bénéficie d'une très très forte visibilité sur le territoire normand. Moi, dans mon idéal, j'aimerais qu'elle ait autant la même visibilité en dehors de nos frontières normandes pour continuer à recruter sur l'ensemble du territoire français. Bientôt, bientôt. Et il va y avoir du CV déposé. Emmanuel, je pose une question. Vous avez un nouveau directeur? Oui. Il vient d'arriver. Il est dans la salle. Eh bien, salut. Hein, Jean Castex qui est donc vient d'arriver à la direction de Le Galet Bouchard.
On applaudit Jean Castex. Comment on obtient ce label? Est-ce qu'on postule? Est-ce qu'on vient vous chercher? On arrive un jour, on vous donne le diplôme? Non, alors en fait, en 2020, je pense que Ford est conscient, la direction générale de l'époque, consciente de ce terreau, de ses valeurs, de cette culture forte, est allé le chercher en fait. Alors après, le Galès, c'est une entreprise qui se challenge énormément sur les normes, les normes ISO, les labels RSE. C'est une entreprise assez engagée. D'où les bons résultats aussi, parce que commencer un label dans lequel nos futurs candidats et nos futurs salariés recherchent aujourd'hui, hein, la génération qui nous suit recherche ces engagements sociétaux et en RSE. Donc il y a un vrai engagement, il y avait une envie de se challenger sur ce niveau de qualité, et c'est nous qui sommes allés candidater en fait. Et donc il y a une sorte de baromètre social, on interviewe tous les salariés, donc on avait un taux de participation de 74%, qui est un très bon taux de participation, et puis il y a toute une exploration de notre culture interne au travers de nos meilleures pratiques managériales, nos meilleures pratiques d'équilibre vie santé, vie professionnelle, vie personnelle. Donc voilà, c'est quand même un challenge. On va recandidater en 2023. Faut pas le perdre. Hein. Là, on croise les doigts pour continuer à se challenger, parce que ça nous permet aussi, nous, de mettre en place des plans d'action sur les points à améliorer. Est-ce que ce cadre vie favorable, la Normandie, est également, vous qui êtes DRH, un atout pour recruter et attirer de nouveaux salariés? Est-ce qu'au final, ce n'est pas la Normandie qui est une great place to work? Ah, mais moi, je pense que la Normandie, c'est une super région. Moi, je n'en suis pas originaire. Vous étiez super content de venir en Normandie. Oui, j'étais très content de venir. Je suis venue en Normandie d'abord pour mon projet professionnel, d'abord pour le projet Légalé. Mais quand j'ai su que c'était en Normandie, je me suis dit, waouh, c'est chouette. J'avais eu l'occasion de faire quelques missions d'audit il y a 20 ans en Normandie, et je trouvais qu'il y avait une vraie émulsion, il y avait une vraie émulation. Et moi, je suis assez contente de savoir que les programmes du théâtre, des théâtres environnants, sont riches et de qualité, parce que voilà, moi, venant de la région parisienne, je suis quelqu'un très, très attaché à la culture et à l'ouverture, et j'ai l'impression, enfin, je sens qu'il y a ça en Normandie, je sens qu'il y a ça à Caen, et je pense que c'est un vrai atout. Je vous conseille notamment le théâtre à l'Ouest à Caen, qui est absolument formidable. Il paraît, on m'en a parlé. Vous rire tous les soirs. C'est vraiment un très bon endroit. Ouais. Juste, on va terminer avec quelques images. Le Galet est une entreprise qui continue de grandir. Et justement, on a un petit film à vous diffuser. Merci. Poplaire des RH de Le Galet. C'est vrai que ça donne envie. C'est vrai que ça donne envie. Vous allez avoir des CV, je pense.
Alors, vu que les gens, qu'est-ce qu'il a fait? My name is... C'est des Polonais, hein, les gars, là. Des plombiers polonais. Ils donnent envie. Vu que les gens veulent venir vivre en Normandie, eh bien, il va falloir les loger. Alors, comment loger sans continuellement bétonner? Comment obtenir une construction plus verte? C'est la question que je vais désormais poser à Delphine Jean, présidente du groupe Foncim. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Moi, j'ai la solution. Hein. Vous allez me dire que je suis collant avec mon CHU, mais ça, c'est l'avenir. Un cube? Oui, enfin, notre CHU, quand même. Oui, d'accord, mais pourquoi? Oui, mais l'avenir, mais pas pour... on peut pas. Occupez-vous de cette dame, elle vient d'arriver. C'est vous qui me coupez la parole. Bienvenue. Je suis désolée, excusez-moi. Bienvenue, Delphine Jean, soyez la bienvenue. Vous n'avez pas le droit à la petite musique, aux applaudissements. Alors, applaudissements, s'il vous plaît. On l'applaudit, bah oui. C'est mieux avec le micro. Ah, voilà, vous avez le petit micro, tout impeccable. Delphine Jean, vous êtes la présidente de la société d'aménagement et de promotion immobilière Foncim et gérante de Jean Immobilier. Alors, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Aujourd'hui, le groupe Foncim est l'un des spécialistes sur le territoire de l'aménagement et de la promotion immobilière, acteur historique du secteur. Vous êtes là ce soir aussi pour nous éclairer sur la vision et l'évolution de votre métier dans les années à venir. Déjà, première question, je le disais, comment construire de manière plus verte demain? Alors, construire plus vert, c'est construire avec un faible impact environnemental en assurant une performance énergétique optimale, notamment avec l'utilisation de nouvelles sources de chauffage et de production d'eau chaude, comme par exemple les réseaux de chaleur urbains ou les énergies renouvelables, telles que le microéolien, photovoltaïque et les pompes à chaleur. C'est aussi employer des matériaux biosourcés et décarbonés, comme la paille et le bois. La brique et le béton ne sont plus systématiquement utilisés à l'avenir, car ils sont riches en CO2. Est-ce que ça coûte plus cher de construire vert? Alors, je n'avais pas fini pour... Ah, bah, pour construire plus vert. Faute. Voilà. En fait, on... c'est aussi privilégier les circuits courts, hein, et aussi minimiser les déchets sur les chantiers et essayer de recycler au maximum nos déchets. Alors, suspense sur la deuxième question. Est-ce que ça coûte plus cher de construire plus vert, de construire vert? J'aimerais vous dire non, ça ne coûte pas plus cher, mais aujourd'hui, oui, ça coûte plus cher. Parce qu'en fait, la nouvelle réglementation RE 2020, elle vient de sortir au 1er janvier 2022. Donc forcément, c'est nouveau. Et tout ce qui est nouveau, ça demande beaucoup plus de temps à mettre en place, ça demande beaucoup plus d'études. Et il faut un petit peu plus de temps avant que ça se démocratise. Et donc, c'est entre 10 et 15% plus cher aujourd'hui. Et avec le coût des matériaux qui a augmenté, on compte entre 15 et 20%. Ouais, quand même. Mais qu'est-ce que les gens recherchent à ce jour? On a vu notamment depuis la crise sanitaire, le confinement, les goûts, les demandes également des acheteurs ont évolué. Alors, il y a toujours un critère qui ne change pas, c'est l'emplacement et le prix. Mais aujourd'hui, avec le Covid, c'est vrai que les gens ont changé d'attitude et ont souhaité avoir une pièce pour le télétravail et une pièce qui peut être évolutive puisqu'elle peut être aussi pour être un bébé à venir ou un parent vieillissant à avoir chez soi. On voit, on s'occupe moins quand même. Hein? on l'a vu aujourd'hui. Surtout que la population vieillit. Et puis aussi, le deuxième critère, c'est quand même un logement le moins énergivore possible. Tout à fait. Donc, y a ça, mais il y a aussi les demandes, habiter à la campagne, mais en ville. Ouais, ça va beaucoup. Voilà. Est-ce qu'on peut arrêter les maisons cubiques? Non, je suis désolée, moi, je peux plus tous ces petits carrés là qui arrivent partout. Il y a plein de gens sûrement qui ont fait ça, qui adorent. Oh, ça se demande beaucoup ça, le petit cube. Pourquoi pas un gentil petit toit comme avant? Non, pas plus. Beaucoup cubique quand même. On est beaucoup dans le cubique. Tu n'as encore pas fini. Non, mais c'est pas possible. Mais allez-y, je vous en prie. En fait, les gens aussi sont très tournés aujourd'hui vers la nature. Mm-hmm. Donc, en fait, ils souhaitent des
des emplacements. Alors, je n'ai pas mes petites photos, mais bon, ce n'est pas grave. Il y aura des petites photos qui vont arriver. Petite photo. Voilà. Petite photo. Alors, je vais expliquer après. En fait, c'est très tourné vers la nature et ils souhaitent des espaces de convivialité pour se retrouver le soir et aussi des commerces avec aussi des services et aussi de la culture, comme j'entendais, comme la dame le disait tout à l'heure. Et il y a aussi une forte demande qui est de plus en plus demandée, c'est des parkings à vélo avec des recharges. Mais oui, beaucoup. Et puis avec des voies douces, hein, puisque si on a un vélo, il faut des pistes cyclables. Et je salue les élus parce qu'il y a eu un investissement phénoménal sur les pistes cyclables. Et quand je vois toutes ces pistes le matin, ça me donne envie de prendre mon vélo. Ah mais j'ai acheté un vélo en arrivant à Caen, moi la première. J'ai toujours pris ma voiture et j'ai acheté un vélo en arrivant à Caen. Vous êtes en train de construire un bâtiment dit exemplaire. On va prendre la direction de Fleury-sur-Orne. Pourquoi est-il si exemplaire ce bâtiment ? Eh bien, c'est un bâtiment bas carbone. C'est le premier à Caen. Donc, c'est un bâtiment bas carbone tertiaire. Hein, ce sont des bureaux. Donc, pour cela, on a dû construire avec des matériaux biosourcés. Hein, donc, là, c'est du bois, donc neutre en carbone. Et puis, avec un système de réseau de chaleur urbain qu'on a couplé avec des panneaux photovoltaïques. Les déchets sont retraités et qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce bâtiment ? Pas mal de choses aussi, hein, c'est très réglementé. Madame Jean, comment vous voyez l'évolution de votre métier dans les années à venir ? Vous allez devoir réinventer peut-être ce métier, c'est aussi, vous l'évoquiez, aller de plus en plus vers ces matières biosourcées ? Alors effectivement, aujourd'hui, nous devons prendre en compte la zéro artificialisation nette. Hein, ce qui va diviser à court terme les surfaces constructibles par deux. Donc, ces éléments-là vont nous obliger à réinventer notre métier. Pour accélérer cette mutation, nous avons engagé depuis 2 ans une démarche RSE. Donc, j'ai copié sur mes voisins de Le Gall et Bouchard. j'ai dit Le Gall et Bouchard, mais c'est parce que je suis vieille. C'était Le Gall et Bouchard avant, mais maintenant, c'est que Le Gall. c'est cette démarche RSE, on va l'appliquer, enfin on va la, on va, pardon, on va devoir, c'est quand même pas compliqué, hein, franchement. C'est pas quoi. Donc on l'applique sur nos actions au quotidien, mais aussi tous nos partenaires dans l'acte de construire. Donc aussi, on va devoir s'orienter vers la rénovation urbaine, construire sur la ville, reconstruire sur la ville, peut-être aller sur des bâtiments tertiaires qui sont obsolètes et qui demandent qu'à recevoir de l'habitat. Mmh. Donc ça, c'est à voir avec... Qui ? Avec nos élus. D'accord. Voilà. Dites-moi, madame, excusez-moi de vous interrompre. Quand vous parlez de construire sur... vous dites du foncier, du quoi ? Du... Répétez terrain, cette phrase. Du terrain. Du terrain un peu vieillissant, enfin des trucs un peu... Voilà. On peut, par exemple, je vous montre l'abbaye aux hommes. Peut-on construire au-dessus de l'abbaye aux hommes, madame ? C'est très joli. C'est une idée, mal, hein. Je vais voir ça avec messieurs et mesdames les maires. Très bien. C'est une très belle idée de projet. En tout cas, je vous remercie. Est-ce que vous avez terminé ? Oui. D'accord. Merci infiniment, Madame Delphine Jean, vraiment d'avoir été avec nous ce soir, présidente du groupe Foncim, pour avoir parlé ensemble et bien d'immobilier et d'avenir de notre immobilier. Je vous remercie infiniment. Merci. Anne, alors, vous habitez où, Anne ? À Caen ? Vous voulez vraiment que je vous donne mon adresse ? Est-ce que vous ne faites pas tous les jours le Cherbourg-Caen ? Non, j'habite à... Je vous donne mon adresse. J'habite quartier Vaucelles, rue Branville, très exactement. Bien. Donc, je vais à vélo à François-Normand. Vous êtes très, très rive droite, quoi. Je suis là où j'ai trouvé un appart. C'est la rive droite. D'ailleurs, le mari de mon agent immobilier réalise la soirée, monsieur Choquette. D'accord. Non, c'est vrai. C'est intéressant, ça, votre vie. Bah, écoutez, hein, c'est aussi bien que les lunettes. Caen, c'est également donc la ville des stars. On parlera de mon appartement plus tard. Ils sont passés. Et où ils ont commencé leur carrière ? À Caen. Il y a eu Guillaume le Conquérant, François de Malherbe, Eugène Poubelle, Denis Brognard, Dorian de Koh-Lanta, Élise Lucet et un petit rappeur qui commence à marchouiller un petit peu qui s'appelle Aurel San. Et puis il y a même certaines célébrités qui nous ont laissé leur chat. Alors je sais que ça va faire des déçus, il a malheureusement finalement pas pu être des nôtres ce soir pour des raisons personnelles, mais je crois que Philippe Geluck a une petite vidéo pour vous.
Alors, vous m'avez posé deux questions. Est-ce que je connaissais Caen? Et puis, depuis que j'y suis venu, quel est mon sentiment sur cette ville? Alors, suspense. D'abord, non, je connaissais pas bien Caen. J'y étais jamais venu enfant. J'ai jamais voyagé en Normandie avec mes parents, ben parce qu'on bougeait pas beaucoup de ce côté-là. Et puis, j'ai découvert la ville et surtout le mémorial lorsque l'excellent Stéphane Grimaldi m'a demandé de venir présider le concours d'éloquence des lycéens. Alors j'ai été très pris par cette mission, très fasciné par le talent des jeunes, et je n'ai pas eu beaucoup le temps de visiter la ville, ce que j'ai fait plus tard. Lorsque nous sommes venus repérer les endroits où nous installerions les statues du chat, vous savez, dans cette aventure qui s'appelle le chat déambule, et là, je suis tombé amoureux de cette ville. Je suis tombé fou amoureux de cette ville et de ses habitants. Et je trouve que c'est une ville élégante, chargée d'histoire, évidemment, ce qui la rend fascinante. Mon plus grand souhait est d'y revenir rapidement et puis d'y revenir souvent, parce que, vous l'aurez compris, j'aime Caen. Et quand on aime, on ne compte pas. Je vous embrasse, à bientôt. Philippe Gueluc, qui s'excuse très sincèrement pour ne pas avoir finalement pu être présent à nos côtés ce soir. Autre personnalité bien présente, et on est très très heureux de le compter parmi nous ce soir. Il est correspondant de guerre, photographe, réalisateur de documentaires et écrivain français. Il a couvert 34 guerres dont il est revenu plusieurs fois blessé. Il a parcouru le monde entier, mais c'est ici qu'il se sent chez lui. Il est avec nous ce soir. Merci d'accueillir Monsieur Patrick Chauvel. Bonsoir Monsieur Chauvel, vous êtes une personnalité connue et reconnue, vous êtes, si je puis me permettre, plus habitué à sillonner les champs de bataille que les buffets de champagne. Vous avez, je le disais, parcouru le monde entier. Pourquoi cet attachement à la Normandie? D'abord, j'ai été invité par Stéphane Grimaldi, qui est le maire de Caen, oui, décidément, parce que je faisais de temps en temps des conférences au mémorial de Caen en revenant des conflits, et à un moment donné, il m'a proposé de loger mes archives. Donc j'ai 380 000 photos. Mais non, vous êtes bien là en plus. Non, il est vachement souriant, vous n'êtes pas sympa. Ouais. Vous avez vu comme merci pour le pif. Oui, puis tout à l'heure, il arrête de casser. Hein. Ouais. Votre nez est bien plus petit. Non, il est plus non, mais compact. Je me vengerai, je vais donner votre adresse aux Russes. Et lui, il peut vraiment la donner. Voilà. Bien joué. Donc, si on peut continuer. Ah oui. Oui. Tiens-toi, Caro. Oui, donc voilà. Le mémorial de Caen loge mes archives. Et c'est donc, il y a une expo permanente sur 50 ans de guerre. Et donc, je rencontre le public, quelquefois, en rentrant de reportage. Et c'est pour ça que j'aime Caen, parce que j'aime le public. Et que de raconter les reportages en montrant des photos d'une manière différente que de les donner aux journaux, ça me permet d'avoir le contact avec le public et de voir comment ils ressentent les images, comment ils comprennent les événements. Ça me rapproche d'eux et quand je suis sur le terrain, je me sens moins seul. Pourquoi avoir choisi, en particulier, manifestement, il est venu à vous, le mémorial de Caen pour déposer une partie de vos archives photographiques? C'est le mémorial de Caen qui m'a choisi. Oui. Ouais. Et c'est un endroit formidable parce que c'est un endroit qui a saisi toute l'histoire de la Normandie, saisi l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, fait comprendre à tous ces jeunes ce qui s'est passé et ce qu'il ne faut pas qu'ils se reproduisent. C'est un peu une façon de maîtriser le passé et la guerre. Et c'est ce qu'on essaye de faire, nous, en faisant des photos, en faisant des films, c'est de faire comprendre aux gens ce qui se passe. S'il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de crime. Nous, on est là pour ça. Le problème qu'il y a, par exemple, en Ukraine, c'est ce passé qui ne veut pas passer et qui forge l'avenir de l'Ukraine. C'est-à-dire que les Russes, enfin Poutine, il ne faut pas confondre les Russes et Poutine, Poutine se sert d'un passé pour justifier ce qu'il fait. Ici, le passé, il est à sa place et permet l'avenir parce qu'on ne se sert pas du passé pour forger l'avenir. L'avenir se forge appuyé sur le passé. Donc c'est toute la différence. Et notre métier, c'est justement de faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est que la guerre. La guerre nous défie tout le temps. La guerre est là en permanence. La guerre est en Syrie, elle est en Irak, elle est partout. Malheureusement, j'ai la sécurité de l'emploi. C'est un des seuls métiers où on rêve d'être au chômage.
Quel est votre regard, vous qui avez parcouru le monde entier, sur notre territoire? Comment voyez-vous l'évolution de notre territoire dans l'avenir, M. Chauvel? L'évolution de votre territoire, ici c'est la paix, donc c'est génial d'être ici. C'est-à-dire que je vois les rues piétonnes, quand je reviens d'un reportage, je vais discuter sur le conflit avec Stéphane, on prépare les conférences, mais en même temps, il m'amène dans des très bons restaurants. J'ai le plaisir de le regarder se délecter du camembert. Et pour moi, c'est fascinant. Et je repense à lui, déjà, quelquefois, quand je suis dans les tranchées en Ukraine. Je me dis, tiens, je serais bien dans une des rues piétonnes en train de boire un coup et d'aller manger des bons camemberts. Et quelquefois, on discute de ça, parce qu'on ne se rend pas compte, mais à la guerre, il y a aussi des grosses discussions sur la nourriture. Donc, quelquefois, je leur amène des photos de bouffe. Et je vois les soldats saliver. Ils me disent, mais alors, le camembert, comment ça, le camembert cuit? Et on discute. J'ai discuté longtemps avec Rémi Urdan, qui est toujours là-bas, qui est le grand correspondant du Monde. Et on parle de vin, de nourriture, de choses normandes. On parle des plages. Il n'y a pas longtemps, on était à Bayeux. Il y avait un festival des correspondants de guerre à Bayeux. On a déjeuné sur la plage, on s'est promené sur la plage. C'est un pays extraordinaire. Qu'est-ce que c'est? Ah! C'est une très bonne maternité à Caen aussi. Oui. C'est carrément dégueulasse quand même. C'est Courbet, hein, j'y peux rien. Oui, c'est Courbet, c'est l'origine du monde. Oui, oui, tout à fait. Oui. Justement, vous l'évoquiez, M. Chauvel, c'est il y a quelques Joseph, jours. C'est Staline. Il y a Staline, Hitler. Oui, c'est un Georgien. Poutine, le petit Poutinou. Mm-hmm. Voilà. Mm. Il y a quelques jours, vous l'évoquiez à l'instant, s'est déroulée la 29e édition du prix Bayeux-Calvados Normandie des correspondants de guerre. C'est un événement annuel destiné à rendre hommage aux journalistes qui, comme vous, exercent leur métier dans des conditions périlleuses pour permettre d'accéder à une information libre. Un mot sur le palmarès et en effet sur l'actualité très marquée par le conflit ukrainien. Et vous revenez d'Ukraine d'ailleurs. Le Festival des correspondants de guerre, encore une fois, c'est la même chose qu'avec le Mémorial. C'est une rencontre avec le public, des journalistes. Et c'est le public qui décide de quels sont les meilleurs journalistes. Parce qu'il y a un prix public, il y a un prix des étudiants et il y a un prix des professionnels. Et sous le chapiteau, il y a 1500 personnes. On montre des reportages, on discute avec les gens et encore une fois, on voit leurs réactions. Parce que nous, on n'est pas là pour choquer, on est là pour interpeller. Donc, quelquefois, on voit que nos photos choquent. À Bayeux, quand on discute avec les gens. Et du coup, quand on est sur le terrain, on fait attention à ce qu'on propose aux journaux. On photographie tout ce qu'on voit, mais on ne montre pas tout aux journaux. Il y a des photos qu'on fait qui serviront au tribunal international, mais qui sont trop horribles pour être soumises au public, qui n'a pas besoin de voir ça. Le public a besoin de comprendre ce qui se passe et il n'est pas obligé d'être choqué. Donc, à Bayeux, on a aussi rendu hommage aux journalistes ukrainiens, et plus particulièrement à un ami à moi qui s'appelle Max Levin, qui était un photographe ukrainien avec qui je travaillais, qui a été fait prisonnier et exécuté. Donc on fait une enquête avec RSF pour savoir quels sont les criminels, quel régiment, quelle unité russe l'a capturé et exécuté alors qu'il avait son gilet pare-balles avec marqué presse. On a trouvé pas mal de preuves, on continue l'enquête avec RSF, et on a voulu lui rendre hommage en faisant venir sa famille, sa femme. Le seul problème, c'est qu'il avait 3 femmes. Donc on s'est retrouvés au milieu d'un petit conflit parce qu'elles sont toutes venues. Ça a dû être sympa. Ouais, c'est jamais simple. Hein. Non. On parle d'évolution de métier depuis tout à l'heure. Comment voyez-vous l'évolution de votre métier, vous qui êtes reporter de guerre? Est-ce que vous pensez que les libertés seront moindres dans les années à venir? La liberté de la presse, notamment? Ou non. Au contraire, est-ce que ça va dans le bon sens? Ça va ni dans le bon sens ni dans le mauvais sens. On est là. Ils arrivent à. Ils essayent de nous empêcher de travailler de toute façon, mais plus on emprisonne les journalistes, plus on leur tire dessus, plus on essaye de les contrôler, ça ne prouve qu'une seule chose, c'est qu'on sert à quelque chose. Si on servait à rien, je ne vois vraiment pas pourquoi on essaierait de nous mettre en prison. Eh bien, merci beaucoup. Ouais, vous l'avez à l'œil. Ouais. Vous n'êtes pas fait un copain. Merci beaucoup, monsieur Patrick Chauvel. Bravo.
Notre soirée va bientôt toucher à sa fin. Voilà, on a encore une petite vingtaine d'intervenants de prévu, mais voilà, ça devrait passer assez vite. On va commencer à préparer tout ça. Mais moi, on m'avait dit que... Non, mais attends. C'est pas assez long, cette soirée. On va en faire un petit peu plus. Non. Ça va, quand la mer ? Mesdames et messieurs, Tristan Lucas. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis là pour la partie clown. Voilà. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut applaudir les 53 premières parties qui sont passées avant moi. Hein, notamment le choix d'avoir mis le reporter de guerre juste avant le clown. Hein, comme ouais. Ça fait un bon décalage. Hein, magnifique. Alors moi, je suis ravi d'être invité à Quand la mer. Hein, déjà, ça m'a fait marrer. Quand la mer. Ah bon, il y a la mer à Caen ? On l'a dit tout à l'heure. Non, peut-être que vous êtes un peu en avance, vous avez anticipé le réchauffement climatique, quoi, la montée des eaux. C'est pour ça que la soirée s'appelle Caen la mer 2030. Hein. Non, mais quand tu es obligé de souligner qu'il y a un élément dans ta ville, c'est qu'il n'y a pas vraiment cet élément. Hein, d'ailleurs, on est les seuls à faire ça. Il n'y a pas Marseille la propreté, Cherbourg le soleil ou Mulhouse la vie. Hein. Ça n'existe pas. Ah, alors, vous faites là, vous, monsieur le maire, il y a la mer à Caen, alors, ou pas ? Bah, ah oui, parce que sinon, vous me donnez l'adresse exacte sur Google Maps, et puis je verrai. Donc voilà, hein, on est d'accord, il n'y a pas la mer à Caen. Et on aurait dû appeler ça « Quand la mer vient un canal dégueu ». Allez, par applaudissement, qui s'est déjà baigné dans le canal ? Ah, il y en a. Ah, il y en a deux ou trois. Il y en a. Ah, y en a. Oui, bien sûr. Moi, je me suis baigné une fois dans le canal quand j'étais petit. J'avais fait du ski nautique et j'étais rentré chez moi sans me doucher. J'avais traversé Caen à pied et à un moment, je suis passé devant un SDF aveugle. Il m'a fait « Salut Jean-Louis !» Au nez, il m'a pris pour un de ses collègues. Donc, très content d'être à la soirée Caen presque la mer. Moi, j'avoue que je ne connaissais pas cette soirée et donc je suis allé voir ce qui s'était dit sur les précédentes éditions. Donc, je suis allé voir dans l'Ouest France. Ça m'a vraiment donné envie de participer. Je vais vous lire quelques commentaires qui ont été faits dans l'Ouest France l'année dernière. Une soirée parfois un peu molle. 3 heures de colloque, c'est peut-être un peu beaucoup quand même. Et le dernier commentaire, organiser une troisième séance de promotion de Quand la mer sans tomber dans la redite, l'auto-congratulation ou la distribution soporifique de bons points, le pari n'était pas simple pour Quand la mer. Tu sens que la journaliste, elle était au bout de sa vie. Hein ? Je pense que cette semaine, à la conférence de rédaction d'Ouest France, il y a le rédacteur en chef qui a fait « Bon, on a deux sujets importants cette semaine. Il y a Quand la mer ou la finale de bridge à la maison de retraite de Bourguébu. » Et la journaliste, elle est « Bourguébu, je veux le bridge. » Alors, dernière phrase que j'ai lue dans l'Ouest France, c'est vous, monsieur Joël Bruno, notre Reis à tous. Hein ? Vous avez dit... C'est véridique. Vous avez dit, il faut dire du bien de nous parce que personne ne le fera à notre place. Ça va pas bien, Joël, en ce moment ? Vous avez un petit déficit de tendresse ? Vous voulez un câlin ? Non, mais il faut dire du bien de nous parce que personne ne le fera à notre place. Mais vous êtes maire de Caen ou coach de vie pour alcoolique anonyme ? Non, mais... Le but de la soirée Quand la mer, c'est de promouvoir les talents locaux. Et c'est bien de faire la promotion des talents locaux aujourd'hui. Hein, parce que tu aurais fait la même soirée il y a 80 ans pour faire la promotion des talents locaux. Les intervenants, ça aurait été Karl, Heinz, Friedrich. Moins convivial. Alors dans les talents normands ce soir, j'ai un petit peu regardé, là, j'ai assisté. Il y a Chonu. Oui. Alors, oui. Excusez-moi de vous. Ça va être ma fête. Excusez-moi de vous réveiller, Chonu. Il a pas mal taquiné sur les vêtements, mais moi je l'ai croisé avant la conférence et je lui ai demandé un verre de vin blanc. Pourquoi ? Ben oui, parce que je croyais que vous étiez serveur, quoi. Ah ben oui, mais c'est mon métier, moi. Et après, je vous ai vu sur scène, j'ai fait merde. Il dessine pas mal le serveur, quand même. Ben oui. Mais quand t'es serveur, t'observes ? Très bien, voilà. On se disait déjà qu'il avait trop participé. La preuve.
Oh, quel salaud. Chacun son tour. Toi, tu as... Il y a Marion, elle a traversé la Manche à la nage. Bon, faut savoir que Philippe Croizon l'a fait sans bras et sans jambes. Hein. Donc Marion, c'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus. Hein. On a aussi Jean Viard, il a dit « On a sauvé nos vieux pendant la pandémie ». Et vu la moyenne d'âge du public aujourd'hui, heureusement qu'on vous a sauvé, sinon il y aurait moitié moins de public. Les vieux, ils ont même plus la force d'applaudir. Là. Ils étaient là, on y va pas, ils ont fait deux claps, on est épuisés. Alors, dans les talents normands de ce soir, Philippe Gueluc, il est belge, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas venu. Non, mais c'est quand même magnifique hein, quand la mère vous fait plaisir. Hein. Non, mais il est sur toutes les brochures et il envoie une petite vidéo. Hein. La prochaine fois, quand la mère vous fait pas chier, annoncez Aurel San et balancez un clip. Hein. Même s'il y a les programmateurs de Borgard, hein, l'année prochaine, annoncez les Stones, les Beatles, Nirvana et vous balancez des vidéos. Hein. De toute façon, le public se fera toujours moins chier qu'un concert de Liam Gallagher. C'est bien, vous avez mis un peu de temps à accepter le clown, mais je sens qu'on est amis maintenant. C'est bien. Non mais, et dans la vidéo, il m'a fait rire Philippe Gueluc parce qu'il a dit qu'il était devenu fou amoureux de Caen. Il est tellement amoureux qu'il ne veut pas revenir, quoi. Amour vache. Je taquine la Normandie, mais moi je suis normand et c'est vrai que j'adore Caen et la Normandie. Et je crois que j'aime bien l'ambiance d'ici parce qu'en fait, on est moyen. Mais ça nous va. Non, mais c'est vrai, on est conviviaux, on pète pas plus haut que notre cul, tu vois. La Normandie, en France, tout le monde l'aime bien, mais s'en fout un petit peu aussi. Non, c'est vrai, les gens sont contents de venir en Normandie, mais c'est pas la ruée non plus. Hein. D'ailleurs, si c'était la ruée, on aurait un TGV. Hein. On n'aurait pas un train corail, bah oui. En Normandie, c'est pas les vaches qui regardent passer les trains, c'est les trains qui regardent passer les vaches. Non mais on est moyens les Normands, mais on est contents d'être moyens. La région est connue mondialement, parce qu'on a été envahis par des nazis et libérés par des gringos. Hein, donc ouais. Pas ouf, mais voilà, après on a survécu. Et c'est vrai que dans le Calvados, on a l'habitude de souffrir. On a vu sur le Havre. Hein. On est moyen, les Normands, mais on est content d'être moyen. Les deux héros normands les plus connus, c'est Guillaume le Conquérant et Aurel San. Guillaume le Conquérant, il a été roi d'Angleterre, mais son surnom, c'était Guillaume le Bâtard. Et Aurel San, ça cartonne et tout. Mais je ne sais pas si vous avez vu son documentaire, c'est quand même un hymne à la loose, tu vois. La Normandie, quoi. Hein, c'est vrai, oui. Aurel San, c'est vraiment notre gloire cannaise qui vient d'Alençon. Hein. Voilà, on en est là. On est moyens, les Normands, mais on est contents d'être moyens. Hein. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est parce qu'on a de l'autodérision. Et moi, j'avoue que je suis fan de Malherbe. Faut avoir de l'humour. Oui! Non, mais faut avoir de l'humour pour supporter Malherbe, c'est quand même... On est nul, quoi, hein, faut le dire. Tu vois. Et c'est pas facile de supporter un club qui ne gagne jamais, quoi. J'ai l'impression d'être dans la peau d'un soutien de Philippe Poutou. Oh, c'est horrible. Non, mais moi, j'ai joué à Malherbe quand j'étais gamin. Et j'étais même ramasseur de balles pour Caen Saragosse, Caen Lens. Et ma maman préparait des gâteaux au chocolat. Et quand les joueurs arrivaient avant l'échauffement, ils passaient dans le vestiaire des ramasseurs de balles pour prendre un petit bout de gâteau au chocolat. Michel Rio, quand il a marqué le but le plus rapide de l'histoire du championnat de France contre Cannes, 8 secondes, eh ben, il était en train de digérer un petit gâteau au chocolat de maman. Voilà. Hein, ça c'était le bon temps, c'était Venois. Et moi je trouve qu'on est marrant à Caen parce que les supporters de Malherbe, parce qu'on a fait deux matchs en Coupe d'Europe, on n'a pas passé le premier tour,
on parle de l'épopée européenne. De match éliminé, on a fait une épopée européenne. Non, mais quand même, quelle équipe on avait, tu vois. Il y avait Montagnier, Hippolyte Dandbeto, Benoît Coé, Xavier Gravelaine, Stéphane Paille. D'ailleurs, Stéphane Paille, c'est un aptonyme. Ok, je vais expliquer. Un aptonyme, c'est quand ton nom de famille est lié à ton activité principale, tu vois. Il y a Pierre Plouf, qui est champion du monde de ski nautique, Benjamin Millepied, danseur. Bon, bah, Stéphane Paille, il aimait beaucoup faire la fête et comme Maradona, il longeait la ligne. Donc Stéphane Paille, aptonyme, quoi. Ah, faut quand même vous expliquer les trucs, hein. Voilà. On est moyen, mais on est content. Non, mais c'est vrai, on est marrant. En Normandie, on a de l'humour, tu vois. Les supporters de foot les plus marrants, c'est We Are Malherbe. Les rappeurs les plus marrants, c'est Aurel San et Gringe. Là, on est deux humoristes canets. Ici, il y a Harold Barbet et moi. Et c'est vrai, bah, voilà, on vit bien, mais on n'est pas hyper connus, tu vois. Hein, voilà, on est chroniqueur sur Rire et Chanson, la Ligue 2 de la chronique, tu vois. Hein, voilà, Harold, il a fait une émission aux Grosses Têtes, il n'a jamais été rappelé. Voilà, il a la même carrière que Steve Savidan en équipe de France. Il faut vraiment aimer Malherbe pour la comprendre, celle-là. Et donc voilà, moi je suis très content d'être canet, très content d'être normand. Et voilà, les normands, on est moyens, mais on est content d'être moyens. Et donc voilà, merci à vous tous d'être moyens, parce que grâce à vous, ben, on est bien en Normandie. Merci. Bravo. Beaucoup. Merci, merci Joël. Un petit câlin après, si vous voulez. On se fait un petit câlin. Très bien. Juste pour vous dire que, voilà, je suis, comme personne ne me connaît, je vais faire de la pub. Je joue régulièrement au Théâtre à l'Ouest, 8 quai Vendeuvre. Il y a un plateau d'humour avec d'autres humoristes. C'est le Mokiri, ça a lieu le 6 décembre. Et je joue mon spectacle en entier le 17 janvier. Voilà, 8 quai Vendeuvre, hein, monsieur le maire ou quelqu'un de la municipalité, si vous voulez découvrir les lieux, vous êtes les bienvenus. Allez, merci beaucoup. Bravo. Ah, reste là. Merci beaucoup et bravo. On m'entend ? C'est bon ? C'est bon, on m'entend ? Ouais, c'est bon. Ouais, merci. C'est bon ? Merci infiniment. Tristan, Lucas, notre soirée s'achève vraiment. Merci infiniment à tous et toutes d'avoir été là. Ce fut un réel plaisir et merci à tous nos invités d'avoir été là. Monsieur le maire, vous voulez dire un petit mot ? Impeccable. Merci infiniment et désormais, le cocktail vous attend. Excellente soirée et vive camp. Merci. Merci.